Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle masterclass de la Fédération française des échecs. Alors, si vous ne connaissez pas les règles des échecs, n'hésitez pas à aller les apprendre avec les petites vidéos d'initiation, des courtes vidéos qui se trouvent dans le lien de la description. Voilà. N'hésitez pas à aller apprendre pour pouvoir après suivre les différentes vidéos. On est vendredi, donc comme vous le savez, c'est la masterclass de niveau avancé, entre guillemets. Tous les lundis soirs, c'est la masterclass de niveau débutant à intermédiaire, donc n'hésitez pas à venir aussi le lundi soir si le niveau est plus adapté pour vous. Ce soir, notre invité a appris à jouer aux échecs à Tahiti à l'âge de 7 ans. Il a été champion de Paris en 2013, il est devenu grand maître international en 2015. Il a été secondant de l'équipe de France adulte. Aux Olympiades notamment, entraîneur en équipe de France des jeunes. Il est capitaine de l'équipe 1 du club Nice Alekhine. Il a écrit deux livres récemment, c'est la Réti modernisée et la Hollandaise modernisée. Il mène 1 à 0 contre le multiple champion du monde Vichy Anand. Il s'agit du grand maître international Adrien Demuth. Bonsoir Adrien. Eh bien, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. T'es en Merci de forme? m'accueillir. En forme, ça va. Ah. J'ai pas à me plaindre. Merci Et toi? d'être là. Ben, ça dure, mais ça va, on continue. Ça va aller. Ça va aller très bien. On salue tous ceux qui sont déjà sur le chat, il y a du monde. Merci d'être là. Les gens continuent à arriver. Donc, vous le voyez sur l'écran, le programme habituel hebdomadaire de la fédération. On est vendredi soir, donc il reste... la masterclass de ce soir, évidemment, on a un programme copieux à vous montrer. Et puis les animations du week-end que je vais tout de suite vous montrer. Donc, Ah, et la semaine est loin d'être finie encore. il se passe beaucoup de choses tous les jours. Alors, déjà le programme de la soirée. Hop. Voilà. Donc, avec Adrien, le thème de la soirée, c'est trouver des ressources en position compromise. Donc, on peut souvent se retrouver en difficulté, voire très en difficulté dans des parties. Et donc. Bah, c'est mieux si ça arrive jamais, mais bon, a priori, on peut pas, on n'est jamais à l'abri de d'une partie qui se passe mal, hein, donc on est Voilà. bien obligé de s'y préparer en tout cas. Et donc, Adrien, tu as préparé des conseils pour bien jouer dans ce type de situation. Voilà, essayer déjà d'identifier les défauts que peuvent avoir les joueurs quand ils sont en position gagnante. Et du coup, jouer sur ces défauts pour essayer de maximiser ses chances quand on est ben, en position inverse, en position perdante. Essayer de jouer là-dessus. Et puis, donc, il y aura pas mal de conseils sur ça. Essayer d'identifier les erreurs habituelles et essayer ben, d'avoir des petites astuces pour maximiser ses chances de s'en sortir. Très bien, beau programme. Et alors, il y a du monde sur le chat qui te salue, Adrien. Il Oui. y a un compte qui dit, je t'ai Ben. vu à l'Open International de Nouvelle-Calédonie. Ben oui, j'ai joué cette année, ouais, donc c'est possible. Y a Et Jean-Pierre Jean-Pierre Kérou, je Kérou. vois dans le chat, qui est un de mes premiers entraîneurs à Tahiti Ah, et qui est super. toujours prof d'échecs là-bas. Donc, donc Excellent. je le vois, je l'ai vu régulièrement quand je suis retourné à Tahiti, mais ouais, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de Tahitiens. Hein. Tous les Yorana, ça vient de là-bas. D'accord. Eh ben, Les bonjours de là-bas. on les salue tous. Voilà. C'est l'occasion. Merci d'être là. De leur côté, c'est le petit matin, hein, c'est ça? Oui, il doit être 8h30 du matin. Ouais, à Tahiti, on est déjà levé depuis longtemps, mais bon, quand Ok. même. Ça marche. Donc, sinon, il y a Rastafa qui nous dit, le thème m'est presque arrivé à toutes mes parties. Eh oui. Ah, il y en a qui. Ça peut arriver plus Plus souvent à souvent, certains qu'à ouais. d'autres, mais bon. C'est pas bon Alors, signe, hein, normalement, mais. normalement, non, essayez de pas. Le but, c'est pas d'être en mauvaise position, hein, si vous pouvez éviter, mais si ça arrive, voilà, comment faire? Alors, je me suis un petit peu trompé, mais voilà. Le programme du week-end, je vous en parlais. Demain à 14h30, simultané du grand maître Éloi Rollange. Il va jouer contre 20 adversaires simultanément. Et il streamera, d'ailleurs, voilà, c'est pas écrit ici, mais il streamera sur Twitch, sur le Twitch de la FFE. Donc, si vous n'êtes pas retenu parmi les 20 joueurs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes hein, pour affronter le samedi les invités de la fédération, eh bien, vous pourrez suivre cette simultanée. Il commentera ses coups, ses parties sur le Twitch de la fédération. Voilà.
Très bien. Donc le lien sera bien sûr sur la fédération. Samedi après-midi, il y a un tournoi Sud-Ouest Arena en 5 plus 2. Dimanche, le traditionnel rapide en 10 plus 3. Voilà, le mot de passe, c'est échec au virus. Et dimanche, en fin d'après-midi, aussi le traditionnel tournoi de la Direction nationale des échecs au féminin. Voilà, pour les joueuses, c'est un tournoi réservé aux joueuses. Alors, maintenant, nous pouvons rebasculer sur le programme de la soirée et tout de suite commencer avec le premier exemple. Donc, on y va. Hop. Voilà, et Adrien, c'est une partie que tu as jouée il y a un certain temps. Ok, oui, c'est parti. C'est une partie de ma jeunesse, on va dire, mais qui m'a beaucoup marqué parce que donc dans cette première partie, on va dire, de la soirée, on va s'intéresser au, on va se mettre du point de vue du joueur qui est en position gagnante, qui a du matériel d'avance. Qu'est-ce qu'on a tendance à penser dans ces cas-là et quels sont les défauts qu'on peut avoir? Et cette partie, elle m'a beaucoup marqué parce que elle démarrait très 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 bien pour moi. Et je m'attendais à la gagner très facilement, voire même à ce que mon adversaire abandonne directement, en fait. Ouais. Et j'ai pas gagné cette partie. Donc, elle m'a trotté là dans la tête un moment, cette partie. Et encore aujourd'hui, j'ai un souvenir assez précis, en fait, de ce qui s'est passé pour moi à l'époque. Donc, on va voir. À mon avis, c'est intéressant de voir les défauts psychologiques qu'on peut avoir dans ces cas-là. Voilà, donc ça c'est le premier sous-chapitre, c'est tout ce qui s'intéresse à la psychologie des joueurs. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur notamment qui prend un gros avantage? Parce que ça va être déterminant pour la suite de son jeu et la suite du déroulement de la partie. C'est ça. Alors, il est encore temps de partager la vidéo, voilà, pour ramener du monde, pour profiter de cette masterclass qu'Adrien Demuth vous a préparée. Donc sur ce thème de jouer en position compromise. Ah, d'ailleurs, je vois que j'ai oublié le titre, je le rajoute. Hop, voilà, trouver des ressources en Ah oui. position difficile, comme ça, tout est prêt. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce vers le haut. Et on est parti par D4, F5. Elle t'a joué une hollandaise. Donc j'ai dit tout à l'heure que tu avais écrit un livre sur la hollandaise, Ouais, Adrien. alors à l'époque, je considérais vraiment que la hollandaise était mauvaise, Ouais. simplement, une mauvaise ouverture. Ok. J'ai changé d'avis depuis à cause de certaines parties que j'ai vues à haut niveau. Mmh. Mais moi, on m'a toujours appris que la hollandaise était plutôt douteuse comme ouverture. Ok. Mais bon, Et après, on va voir. donc maintenant, bah, t'es passé de l'autre côté de la Voilà, c'est barrière, ça. puisque t'as carrément écrit un livre dessus, alors là, tu peux plus te cacher, quoi. Mais bon, a priori, elle l'a pas joué au mieux, on va dire. Ok, on y va. Alors, C4, cavalier F6, cavalier C3, G6. Donc, c'est la hollandaise Leningrad. C'est ça, tout le début est assez standard. La première un peu bizarrerie, on va dire, c'est de mettre le cavalier en H3, mais en fait, c'est pas si étrange que ça. On cherche souvent à venir vers F4 et s'intéresser aux cases D5 et E6 qui sont très importantes dans cette position. Donc c'est pas si logique de ne pas se développer en F3 et d'aller en H3. C'est moins commun, mais c'est possible. Et on laisse passer le fou pendant ce temps-là. On laisse le fou jouer exactement. Donc c'est Cavalier pas non 6. plus très extravagant, on va dire. Ouais, ça fait un peu bizarre qu'on l'a jamais vu, mais C'est ça. c'est assez connu. Donc elle sort son cavalier, tu l'attaques, elle vient là, tu roques. Ouais, donc je tends un piège, mais même pas dans l'idée qu'elle va tomber dedans, en fait. C'est purement le roque est un coup naturel, donc c'est pas pour. Juste un bon coup, ouais. Voilà, c'est pas dans l'espoir qu'elle tombe dans le piège, mais il s'est avéré Voilà, et que c'est là, arrivé. alors là, je sais pas ce qui se passe, il y a eu une erreur de stream, hop, pas de stream, une erreur d'aiguillage de personnes dans le chat, voilà, on va faire un peu de place. Ah. Pierre qui nous dit quel est le thème, je sais pas si, voilà, j'ai rajouté le titre, hein. C'est en haut, voilà, Ouais, trouver le des, thème est en haut, ouais. voilà, Donc trouver des c'est ressources. de s'en sortir, essayer de maximiser ses chances de s'en sortir quand on est mal, de différentes façons. On va voir différents cas de position où on est mal. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Vous êtes juste au début. On est au huitième coup de la première partie de la soirée. Et là, c'est le drame. Les noirs qui prennent ce pion en se disant on gagne un pion. Curieux quand même, un peu naïf. C'est curieux, surtout que mon adversaire est une joueuse assez sérieuse quand même, elle a 2000 Elo. La seule chose qui peut faire relativiser un peu cette erreur, c'est que c'est la dernière ronde d'un tournoi qui est assez long, le tournoi de Rochefort, un matin. Mais bon, quand même, c'est C'est quand même une lourde gros, ouais. faute, ouais. Parce Donc que, en échec. fait, elle,
elle doit aussi se poser la question, pourquoi on me donne un pion Pourquoi? gratuitement? Bah Et oui. puis c'est très, très bizarre comme faute. Ou alors elle a cru que c'était un sacrifice positionnel, mais... Ouais, Curieux. du mal à le croire. Curieux. Alors donc, t'as gagné une pièce contre un pion. Et c'est Alors ça, je là... gagne une pièce contre un pion dans une partie où je suis déjà censé être le favori, on va Oui. dire. Et donc, clairement, en fait, je m'attends presque à ce qu'elle abandonne simplement. Ça arrive parfois, Tellement. Ça peut arriver, voilà, elle a fait une gaffe, bon, ben, elle veut oublier cette partie, elle abandonne. Donc, je m'attends déjà presque à ce qu'elle abandonne. Donc, dans ma tête, j'ai déjà gagné, en fait, parce que c'est trop énorme comme avantage. C'est même pas elle me pique un pion qui est relativement au centre, Oui, donc c'est le même pas pion un pion du C4. centre, ouais. Mais en plus, ça m'ouvre des lignes. Du coup, j'ai la colonne C qui s'est ouverte pour embêter son pion C7. Donc, c'est vraiment, ça peut pas être justifiable d'une quelconque façon, hein, ce sacrifice. Enfin, cette gaffe. Ouais, cette gaffe, ouais. Donc, Elrock, bon. Ouais, la Cavalier partie a F4. continué assez naturellement. Les prochains coups n'ont pas un énorme intérêt, on va dire. Ok, tu développes. Voilà. Je lance une petite attaque sur l'aile dame. Et donc ici, elle commence à montrer ses intentions. Elle a joué un petit coup préparatoire de roi H8 pour s'enlever de la diagonale de la dame en C4. Elle commence à faire jouer son fou G7 en enlevant son cavalier. Et en fait, on voit que l'idée peut être de faire G5. Alors, je ne sais pas encore dans quel sens, hein, mais de faire G5 puis F4 pour un jour pouvoir faire à terme fou H3. Ah ouais, d'accord. Et attaquer et faire une attaque de roi, en fait. Et à partir d'ici, j'ai commencé à faire les erreurs typiques de quelqu'un qui a une pièce de plus. C'est que on veut gagner absolument sans avoir à faire d'efforts, sans avoir à rien risquer et surtout pas commencer à réfléchir à comment je vais défendre mon roi. On veut surtout pas que même l'idée d'une attaque de roi puisse naître. Donc je vais faire que des coups qui ont simplement pour but d'éviter une attaque de roi. Et ça démarre par un coup qui va être trop passif. Donc je te laisse montrer. Cavalier D1, ouais. J'ai joué cavalier D1 qui recule. Alors certes, ça attaque le pion C7 désormais deux fois. Mais c'est quand même un coup de retrait. Et en plus, ça a été joué avec une mauvaise idée parce que j'ai enchaîné avec un mauvais coup juste après. Donc le coup est absolument pas dans l'esprit de la position. Donc c'est un coup trop passif déjà. Première concession. Ok. Donc elle a pris mon fou en E3. Assez logique, bon, c'est une fois qu'on était venu ici. Et maintenant, je me rappelle plus exactement comment s'est passée ma réflexion, mais j'ai dû imaginer que sur cavalier prend E3, elle pourrait du coup monter son attaque. Exactement, G5, le cavalier bouge, et soit F4, soit dame E8 d'abord pour passer d'abord la dame vers H5. C'est pas idiot non plus. Et puis un jour F4 et une attaque de roi, quoi. Objectivement, il n'y a rien. Quand on regarde cette position, on a quand même une pièce nette de plus. On n'a pas lieu de s'inquiéter ici avec les blancs. C'est complètement irrationnel, en fait. Ouais, d'ailleurs, tu montrais que sur F4, puis on prend, on pouvait faire cavalier prend et juste. Pour l'instant, on peut juste prendre les pions et elle a ouvert des lignes, mais bon, enfin voilà, c'est Ouais, une on peut faire pièce. ça derrière pour complètement Voilà, neutraliser le c'est ça. fou. Les pièces noires sont pas menaçantes en plus. La dame en C8, la tour A8 ne joue pas. Elles sont loin. C'est vraiment. Enfin, quand j'ai revu cette partie, enfin, je me suis vraiment dit que c'était assez incroyable la façon dont j'avais psychoté dans cette partie. Donc j'ai simplement voulu éviter cette possibilité, cette idée lointaine d'attaque, en faisant encore une deuxième concession ici. Donc après avoir joué cavalier D1 qui avait l'air de vouloir reprendre du cavalier, Ouais, j'ai je pensais repris que t'allais prendre du du cavalier, j'avoue. pion. Ben oui, ça n'a pas de sens. C'est simplement qu'une fois qu'on reprend du pion, on se dit, bon, bah, ok, très bien, G5, F4 ne fonctionnera plus jamais, on y est trop maintenant. Ouais, tu voulais su surveiller à fond cette case pour pas qu'elle C'est avance. ça. Et donc, mon esprit, c'est de se dire, j'ai une pièce de plus, je peux me permettre de détruire ma structure, parce que j'ai cette pièce de plus, et ça ira quand même. Tant pis. Là, du coup, tu dis, de toute façon, je peux me permettre, et puis...
Et c'est à force de se dire qu'on peut se permettre effectivement que ça a fini par Au bout d'un moment, me coûter on cher peut dans plus cette se partie. permettre au bout d'un moment. C'est ça, c'est trop de concessions en fait. Une petite concession de temps en temps, ça ira, mais trop, ça finit par se faire punir. C'est ce Alors qui va arriver il y avait une question, pourquoi dans pas ces parties. cavalier Vas-y. E6? Peut-être que c'était Alors, je pense ici, que c'était j'imagine. sur cavalier prend G5, non? Ah, peut-être, ouais. À mon avis, ça devait être à ce Oui, moment-là. c'est bien possible. Quelque chose comme, je suppose, hein, fou prend un peu obligé. Pion prend et F4. C6. Ah. Ou F4, je sais pas. Ouais, un des deux. C6, peut-être C6 pour solide. faire soit D5 et piquer un deuxième pion, peut-être, c'est pas si idiot. Oui. Parce qu'au final, on va avoir du coup tout le centre qui se met Ça en va faire route. beaucoup de pions, ouais. Au Le fou centre. en G7 qui rayonne parce qu'il a plus vraiment de vis-à-vis. Ouais, et puis ce coup qui traîne aussi parfois. Ouais, il y a deux pions, il y a tout le centre qui peut se mettre en route. Le pion en D5 qui empêche le fou G2 de jouer, c'est très compliqué, ça Ouais, devient c'est vrai compliqué en que fait. un pion, ça, on peut dire comme c'est rien, mais à partir de deux, ça commence à plus être rien en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, donc, pion prend. G5, elle fait quand même. Elle fait quand même G5, bien sûr, elle repousse les pièces. Et elle fait le fameux coup de dame 8 pour peut-être passer là-bas. Dame 8 passait par là-bas, et encore une mauvaise décision de ma part. T'as joué Je pense cavalier ici, 1, F2. j'ai joué cavalier F2, mais il n'y avait vraiment pas de raison de ne pas prendre ce pion C7, a priori. Alors ça, Disons. c'est autre chose que tu voulais souligner dans l'état d'esprit des joueurs qui ont un avantage matériel, d'éviter tous les risques. C'est Enfin, ça. et même ceux qui peut-être ne sont pas vraiment des risques. Se dire que en fait, on a déjà fait le boulot, on a gagné une pièce contre un pion, donc on n'a pas besoin d'aller s'aventurer dans quelque chose de compliqué, mais alors que vraiment, il faut simplement voir ce que la position demande et se dire, ben non, c'est que j'ai une pièce de plus ou pas, ça c'est le coup que je dois jouer. Peu importe en fait. Faut essayer de vraiment demander, C'est ouais, annexe la et pièce c'est de ce plus. qui est pas facile, bien sûr, de se dire qu'est-ce que je dois vraiment faire, parce qu'on est influencé par la Ben, ce qui est situation. bizarre, c'est que si j'avais pas cette pièce de plus, Tu probablement je le prends ce prendrais, pion C7. ouais. Parce que je me dis, bon, bah, du coup, il faut que je pique toute son aile dame et puis on verra bien. Si c'est égalité matérielle, probablement que je prends C7. Et donc, c'est irrationnel, là, parce qu'on a une pièce de plus, ne pas se mouiller, ne pas risquer de. Ouais, et là ça devient irrationnel. Voilà, c'est ça. Ok, donc Donc, tu j'ai joues joué un cavalier coup F2. qui organise les pièces. Ok, cavalier F2. C'est encore pas une On dit gaffe, mais on dirait c'est que tu as peur pas pour ton précis. roi un peu et que tu mets des pièces devant, ouais. C'est ça. Un peu, un peu. J'organise mes cavaliers à peu près. Ok, elle fait tour Nickel, C8. du coup elle se défend bien sûr. Et Et puis là. à force de pas faire grand chose, j'ai rendu du matériel encore. Alors le coup qui pouvait sembler tout à fait bon, hein. Tour FD1, on sort la tour. On se dit c'est une bonne idée. Et là, elle a un coup. Les Noirs Oui. peuvent gagner quelque chose. Allez, petite question pour vous, on va voir si vous êtes chaud. Vous aurez des questions plus dures plus tard, mais pour commencer, la voici. Vous faites quoi avec les Noirs? Noirs peuvent récupérer un peu de matériel, une bonne partie de leur matériel. Il y en a qui ont des petits problèmes de connexion. Et oui, les réseaux qui sont surchargés, mais normalement, pas de problème au niveau de la diffusion. Ça peut arriver, mais pour l'instant, pas de souci. Donc c'est de votre côté, n'hésitez pas à actualiser la page. Ça y est, ça a été trouvé. Voilà, c'est Kia, Marc, Ruben, Alix. Enfin, c'est plutôt Nils d'ailleurs. Rastafa, bon, ils sont chauds là, voilà. Ils ont montré qu'ils sont chauds. Plein de bonnes réponses, bravo. Donc fou B5, on attaque la dame. La dame n'a plus que deux cases. Donc soit Mais dame c'est la même B3. punition dans les deux cas, de toute façon. Donc Soit dame C2 et on se prend fou à 4. C'est aussi pour ça que dame 8 c'était malin. Permet des oui. petites idées sur les deux ailes, sur les deux côtés. Non, non, clairement, je sais pas si elle a anticipé un futur gaffe avec tour FD1, mais oui, elle pouvait en tout cas utiliser Voilà. ça. Donc elle récupère déjà une qualité. Et du coup, en fait, bah, il reste que deux pièces contre une tour et un pion, et bah, ma mauvaise structure, du coup, vu que ça, c'est à peu près permanent. Le fait d'avoir repris du pion F en E3 me pénalise maintenant. Ouais, ton roi est un peu fragilisé, ta structure est fragilisée. Et bah, son dernier problème, en fait, c'est qu'elle manque d'espace. Et en fait, elle va résoudre ça assez facilement. Elle voit que c'est ton pion qui C'est la ça, j'ai pressurise. pour l'instant elle joue, à part ses pions en G5 et F5, elle joue un petit peu sur deux rangées. Et il faut qu'elle ouvre un petit peu pour libérer ses tours en fait. Donc si c'est très bien joué.
Oui, le joueur qui a une qualité de plus essaye d'ouvrir des colonnes pour ses tours. C'est la logique. Puis on prend la... Ah non, elle prend même pas. Non, Elle elle fait a d'abord d'abord ça. empêché mes pièces de jouer. Très bien joué. Oui, parce qu'il y avait fou pro qui traînait. Tout à fait. Donc c'est 6, c'est bien vu. C'est un peu comme l'idée de tout à l'heure où on voulait faire des 5 et essayer de gratter le C'est pion. ça, ouais. Ben, c'est ce qu'elle va même le faire. Elle était peut-être pas obligée, mais elle va le faire avant de reprendre, je Ok, crois. alors là tu fais cavalier 3 F2. Alors là, je ne saurais plus expliquer mes coups. Hein. J'attaque le pion D6, hein, mais oui, je crois que je voulais préparer quelque chose comme G4 pour. Mais après, Ou voilà, E4 il y a des décisions que peut-être. Ouais. j'explique pas tout à fait. Ben, Oui, et E4, ouais, il y puis. aurait F4 de toute façon, mais. Ok, puis on rappelle que c'est une partie que tu as jouée il y a 13 ans. Hein, donc C'est une vieille partie, ouais. J'ai on se rappelle pas une quinzaine forcément d'années, ouais. de pourquoi on a joué tous les coups. Alors D5, G4, voilà, donc tu as préparé ce G4. J'ai essayé d'ouvrir et finalement elle récupère son pion. Et donc on a ce même rapport matériel, donc deux cavaliers contre une tour et un pion. Oui. En plus, ce n'est pas les meilleures pièces mineures, c'est deux cavaliers ensemble qui ont des fois Ils sont pas du à la mal à fête gérer une là. tour. Ouais. Non. Il y a le pion E3 qui est en danger, qui est obligé d'être défendu. Et il y a simplement des difficultés à faire jouer ces cavaliers. Et Alors je le ne pense fou pas que aussi qui a du mal le à jouer reste de avec la partie ses... Ouais. C'est soit très pas... intéressant, mais en fait, donc il y a eu match nul, mais je suis même passé pas loin de la perdre, cette partie. Globalement, j'étais plutôt un petit peu sous pression, mais voilà, de toute façon, elle a déjà retourné la situation, tout va très bien pour elle. Dans Ouais, tous les cas. bah, ok. Bon, un premier exemple très parlant, je pense. Parce que quand on gagne le cavalier contre un pion au huitième coup, on se dit vraiment que ça va bien se Au passer. 25e, ça y est, c'est fini, j'ai plus d'avantage, et je suis presque à devoir me battre pour faire nul. Ouais, en une quinzaine de coups, là, C'est ça a tourné. assez inexplicable, mais bon. Ouais, et très étonnant, mais on peut beaucoup apprendre de ce genre d'exemple. Voilà. Donc, en général, c'est vrai qu'on apprend plus quand ça nous arrive. Hein. C'est. Oui, celui-là, il m'a marqué assez longtemps. J'en ai tiré des conclusions. Allez, on continue. Oui. Du coup, et là, on monte le niveau et on retrouve Maxime Lagarde, le champion de France, qui était avec nous la semaine dernière. Il nous a régalé avec son thème des sacrifices pour l'initiative. Et bah, on continue son Ouais. thème finalement avec cette partie. Oui, mais on va voir en fait. Alors dans une partie jouée à bien plus haut niveau, on va voir les mêmes défauts chez le joueur blanc. Voilà, Même 2500 Elo, hein, le joueur des blancs là. 2500, ouais, qui est un très fort jeune danois. Il a presque 2600 maintenant. Il monte vraiment vite. Ouais, ok, d'accord. Donc vraiment un client sérieux déjà pour une partie comme ça, et on va voir le même type d'avantage. Et on va retrouver à une autre échelle les mêmes défauts en fait dans la partie. Donc, et on va voir que ça va même le mener finalement à la défaite. Donc, Alors bon, la grande surprise, hein, ça va Maxime être pire. qui a laissé son pion en F7. Bon, comme Ouais. quoi, ça Ça arrive. peut arriver. Il joue une Benoni. Bon, il a quand Il joue une même. Benoni, ce qui est quand même dans ses idées, une ouverture très active. Et pas une si grosse surprise, on va dire. Benoni moderne, si on veut préciser, par rapport à la vieille Benoni. Donc, même si maintenant on l'appelle plus la Benoni, sans trop préciser. Normal. Ouais. Donc D6, cavalier C3, prise, prise. Bon, on est vraiment dans une grande position. Oui. Le coup principal, c'est... Alors d'ailleurs, je vois que... Il y a question sur le coup principal. J'allais dire le coup le plus naturel, c'est E4. On met un pion dans le centre. C'est les positions les plus standards de Benoni. Et là, il joue une variante un peu spéciale, fou F4, mais très intéressante. Oui, récemment, c'est presque. Pour ceux qui démarrent par cavalier F3 dans la Benoni, comme c'était son cas, parce que là c'était une question d'ordre de coup, il a déjà Ah joué oui, il a cavalier joué au F3, je troisième pense. coup, ouais. C'est ça, ouais. Je pense que c'est presque la grande ligne, en fait, de quand le cavalier est déjà en F3. Ouais, d'accord. Et qui, Parce que si sinon, on les veut pas blancs se ont prendre encore la fou G4, possibilité c'est de faire ça? E4, voilà, c'est ça. Si les blancs, ils avaient la possibilité de jouer E4, F4, ce serait peut-être encore plus à la mode, on dirait, mais comme là, il y a déjà cavalier F3, Ouais, ok. Et cette variante avec fou F4 qui se joue plutôt. Ça marche. Donc fou F4, A6 alors. Là, bon, c'est une petite subtilité d'ouverture. Bon, le coup A6 qui est peut-être pas une surprise pour ceux qui ont l'habitude de voir des Benoni, puisque les noirs menacent B5, ils aimeraient vraiment réussir ce coup. Et très important que les blancs fassent A4 pour l'empêcher. Donc ça va. Mais on aurait pu se dire, bah, c'est quand même bizarre de le faire maintenant, alors qu'on peut faire fou G7. Et il y a une Oui. astuce ici.
Dans cette ouverture, une astuce un peu spéciale que les blancs vont placer ce coup, bon, inattendu et qui en général n'est pas une bonne idée, mais là c'est une bonne idée. C'est dame à 4 échecs. Et ça va perturber. En fait, ce coup, il se lit très bien avec le coup fait F4. Parce qu'en fait, on force une pièce à venir sur D7 et du coup, le pion sera plus défendu. Donc il doit faire fou Donc, c'est assez D7. logique finalement. Voilà, et maintenant on attaque ses pions et le fou n'est pas très bien placé en D7, c'était la place du cavalier, donc il est un peu désorganisé. Et si le fou revient en C8, on peut même dire, bah, du coup, il y a dame B5. Et fou D7 n'est plus possible en fait. Ah ouais, c'est joli, ouais. Et on gagne un pion. Et parce que le pion Enfin, B7 sera en prise. Et du coup, je crois que roi F8 ou roi E7 peuvent ouais. se jouer, mais bon, Ok, c'est assez moche, ouais. c'est pas Voilà, donc ça exceptionnel. c'est Hein. pour la petite histoire. Donc les noirs, bon, Maxime il est au courant, bien sûr, il a joué à 6, à 4, fou Alors, G. il y avait une question sur fou D7, K B5. Je crois par contre que ça va pas. Il y a A6 simplement. Ici. Ah oui, c'était une idée de taquer à fond Ouais, sur je crois que D6. ça marche avec A6. Je sais plus comment ça fonctionne d'ailleurs. Comment ça pourrait fonctionner? Déjà, il y a un premier problème, Bah c'est peut-être que un roc, non? ouais, peut-être roque parce que ça donne le pion D5 aussi. De Ah toute oui. façon, donc il va y avoir un cavalier prend D5 assez méchant à un moment Aussi, ouais. qui ouvre le fou G7 et qui. Et on menace de jouer A6, on menace de jouer trop de choses. Ouais, il y a trop Sotoku de peut menaces. pas Ouais, bah, être il peut viable même pas gagner un ici. pion. Ouais. Ici, ouais, non, ça marche pas. Les noirs sont capables de donner le pion D6 dans des conditions bien pires, donc Ouais. ici ça n'a pas lieu d'être. Donc, fou G7 H3. Donc, trois un coup important pour empêcher fou G4. Ce fou, pardon, qui ne sait plus trop où aller, du coup. C'est Petit ça. roque E3. Et ça Tour E8. permet, en fait, ça évite aussi cavalier H5, c'est ça la vraie idée Oui. de. Si on joue E3 d'abord, il y a cavalier H5 qui cherche à piquer le fou F4. Et sur fou G5, dame B6, je crois que c'est embêtant. Et après H6, G5. D'accord. C'est donc H3, en fait, on démarre hein, par H3 pour se donner la case H2 pour le fou. Voilà, Pierre qui demande si dame à 4 échecs, c'est le coup de Garry Kasparov. Je sais pas s'il Alors veut. là, peut-être qu'il l'a joué, hein, franchement. Mais après, je connais pas toutes les parties. Je connais pas toutes les parties par cœur. Mais c'est possible parce que c'est une assez vieille ligne, hein, déjà, dame à 4 échecs. Ouais. Et le fou de case blanche, j'ai pas trop compris la question, désolé. Mais le fou de case noire qui veut se cacher en tout cas sur H2. C'est Voilà. ça. Pour, bah, fou très important qui met la pression sur le pion D6 maintenant que le fou est parti sur G7. Alors, on a vu tout à l'heure. Donc petit roque, allez, on avance un peu. E3, Ouais. tour E8. Donc dès qu'il y a valet E4, on peut faire la même idée avec dame E7 qui est un peu plus Voilà. souple. Tu précisais que c'était un peu plus souple parce que ça protégeait le pion. Donc on Ça peut. protège le pion et ça laisse la case E8 au cavalier en fait. C'est une manœuvre typique de jouer cavalier E8, cavalier C7 pour essayer d'aller pousser B5 dans quelques coups. Donc ici, on peut, voilà, cavalier E8 avec IDK et C7, fou D7 et jouer pour B5 et la rupture, enfin la poussée de pion qu'on a envie de jouer un jour dans la Benoni. Et on a souvent besoin d'un cavalier en fait qui aide cette poussée de pion, donc d'où un cavalier en C7. Mais c'est complètement un autre plan que la partie. La Maxime, il choisit de jouer tour E8. Donc il s'interdit ce plan, mais ça, il se permet d'autres idées. Alors, qui est des deux qui empêche cavalier E4? Très important d'empêcher cavalier E4. Ouais. Les noirs qui sont un peu serrés, hein, qui aimeraient bien échanger une paire de cavaliers. Donc, c'est une Et règle puis générale de après, la tour, elle l'espace. pourrait glisser vers B4 aussi. Peut-être ça, on peut montrer rapidement en cas de fou E2. Il y aurait les cavaliers qui s'échangent. Et même sur un cavalier D2 pour chasser cette tour, maintenant, il y a tour B4. Et on voit le pion B2 qui est en difficulté. La tour en B4, finalement, qui est très bien. Il lui arrivera rien, en fait, ici. Ouais, c'est un cas assez rare où on peut passer la tour comme ça, sinon d'habitude, évidemment, faites attention, parce que quand on fait ça, la tour, des fois, elle revient jamais. Voilà, heureusement que le pion est en A4. Ça la sauve un petit peu, ce pion déjà en A4. Oui, c'est vrai qu'elle se prenait déjà à 3, elle était un peu. Enfin bon, il y a le pion B2 qui traîne, donc ça va. Donc ça, c'était pour montrer l'idée. Cavalier D2, cavalier BD7, fou E2. Alors, les blancs, à noter, ne peuvent pas prendre ce pion. C'est une petite astuce. Alors des fois c'est contré par dame B6 d'ailleurs, C'est souvent, oui, c'est souvent qu'on a du mal à prendre ce pion. des fois il y a du dame B6, mais là il y a même du cavalier B6 qui Ouais, a. sur Dame B6, il y aurait cavalier C4 dans ce cas précis. Ah ok. Ça l'ennuie. Là on se fait avoir. Hop. Qui défend Protège. tout, en fait. Qui attaque la Protège dame et qui tout. défend tout. Attaque, ouais. Donc là ça c'est terrible. Du coup cavalier B6. Fou prend, bon les blancs qui prennent tout, mais. Ouais, donc on a donné deux pions, on n'en récupère qu'un, mais en fait, l'idée, c'est que toutes les pièces vivent maintenant chez les noirs. Donc, c'est assez. En fait, c'est catastrophique parce qu'on est encore assez loin de roquer, hein.
Il faut jouer encore au moins deux coups avant de roquer et on a déjà des problèmes concrets sur la grande diagonale. Donc gros gros retard de développement là, chez les blancs. Ouais, ça marche. On pourra pas prendre toutes les questions d'ouverture, désolé Arnaud, on va s'intéresser plutôt au thème important. Fou E2, cavalier E5, fou H2. Et là, ça commence. Parce que Maxime réfléchit longtemps. Il a fait une énorme réflexion. Alors, je sais plus si c'est de l'ordre de 50 minutes à 1 heure, vraiment. Donc, sur une Waouh. partie d'une heure et demie, C'est énorme. c'est assez énorme. Et en fait, je pense qu'il n'était pas satisfait de la tournure des choses. En fait, les plans habituels de cette position, parce qu'il faut quand même bien faire quelque chose, c'est dur de leur trouver un plan au noir. Les blancs, ils menacent basiquement de jouer F4 un jour. De chasser ce cavalier, de le faire revenir en D7 et ensuite de pousser E4. Et on voit que le fou en H2, il est parfait pour, du coup, plus tard, jouer E5 et tout ouvrir. Fou en H2, il va être parfait pour soutenir ce centre. Pareil pour le cavalier en C4 qui arrive. Et donc, on ne peut pas juste laisser faire et jouer tour B8, jouer bêtement pour un pion B5 dans quelques coups. Ce genre de plan, il est déjà presque perdant, en fait, dans cette position. Donc, le seul moyen de trouver du contre-jeu ici pour les noirs, le seul moyen, on va dire, un peu théorique, c'est de jouer G5. Mais je suppose que c'était pas vraiment l'esprit des positions que Maxime recherchait. Et donc, il est parti pour quelque chose de complètement différent, et quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, G5 dans l'idée d'empêcher un petit peu F4. En tout cas, la formation de F4 et E4. D'accord. Et donc, après cette très longue réflexion, il a fait un coup que certains joueurs pourraient appeler une gaffe. Si c'est pas Maxime qui l'avait joué, j'aurais pu dire que c'est une gaffe. Là, dans son cas, clairement, il l'a calculé. C'est pas une gaffe de sa part. Il a juste essayé, on va dire, brouiller les cartes. Alors déjà, peut-être on peut faire chercher pourquoi est-ce que Alors ce pourquoi, à coup votre pourrait être une avis, gaffe? ce coup est très étonnant, cavalier FD7, quel est le problème? Quel est le problème? Allez, on vous fait un peu participer. Ethan, le vainqueur du tournoi de Blitz de la Fédération mercredi soir, a gagné le premier. Je comprends maintenant pourquoi il a Bravo, gagné le tournoi de bravo Blitz. Ethan. Bien joué. Et tout le monde a la réponse, bien joué. Le chat est assez chaud. Il y a effectivement le coup F4 ici qui coince le cavalier en E5. Alors évidemment, ben, s'il avait joué à tempo cavalier FD7, on aurait pu se dire peut-être il a oublié. Mais On aurait après. plutôt dit peut-être c'est une prépa Ouais. à choisir, C'est parce que juste. même à Ouais. tempo, même en Ouais. blitz, je vois mal quand même. C'est vrai. De prendre Donc. quelque chose comme Mais ça. là, bien sûr, il a réfléchi très longtemps. Donc, il avait prévu évidemment ce coup. Et bah, vous avez vu un peu la semaine dernière. Hein, il y en a qui se remettent toujours pas de sa partie contre Mamedyarov. C'était beaucoup trop compliqué pour eux. Ils ont eu besoin d'aspirine. C'est optimiste, toi, de montrer cette partie. Ouais, non, mais c'était sympa. Mais c'est vrai que c'était haut niveau. Hein. Ouais. Et donc, il joue cavalier D3 échec, effectivement. Un duc qui sacrifie le cavalier. Pour Alors, faire tour pont échec. on peut peut-être quand même dire que, quand même, il a cette idée effectivement de sacrifice, mais il faut quand même bien dire que cavalier FD7, c'était une erreur quand même, objectivement. Ok, c'est pas le coup du siècle quoi non plus. C'est pas, voilà, ça réfute pas du tout la conception blanche. Objectivement, il n'y a pas assez. Les ordinateurs, ils donnent quelque chose de l'ordre de plus 2 quand même, c'est pas anodin comme avantage blanc. Mais c'est juste, il en avait tout à fait conscience, je pense, dans la partie. Il ne s'est pas dit que ça pouvait aller. Mais il s'est dit qu'en pratique, bon, ça peut clairement brouiller les cartes, se donner peut-être plus de chances de gain que dans une position plus classique. Ok. Et voilà, rendre les choses difficiles d'un point de vue pratique pour les blancs. Mais objectivement, ça ne va pas. Ben, il faut bien le dire. Donc les blancs qui prennent avantage. Voilà, ils prennent la pièce. Sinon, l'idée noire est OK. Et Donc ici, ils poursuivent avec Dame H4. Tout ça, je pense qu'il l'a joué assez vite. Il avait quand même anticipé un peu la suite. Ici, il y a un coup qu'on a envie de jouer avec les blancs qui ne fonctionne pas. Le coup G3, qui serait en fait une grosse gaffe. Qui serait où les noirs, les blancs deviendraient simplement perdants immédiatement. Il n'y a presque plus de défenseurs en fait chez eux et ça va assez vite se ressentir. En fait, on sacrifierait maintenant la tour. Et donc la suite, une fois que
Cavalier F6 ici est joué. On a énormément de mal à parer fou prend H3, évidemment, qui récupérait un pion et une qualité. Et également, aussi, enfin, il y a aussi Dame prend F4 qui doit se parer, donc ça fait un peu beaucoup là. Et alors, voilà, je crois qu'on a mis une variante pour illustrer un petit peu ce qui pourrait se passer. Mais le roi pourrait tenter de s'enfuir, hein, il survit à peu près. Mais ça fait déjà beaucoup de pions. Beaucoup de pions. Et puis, donc là, on est à 4 pions pour la tour, si je compte bien. Ouais. Et il y a les deux fous F5 et G7 qui rayonnent, et le roi en B3 qui est très mal placé. Donc maintenant, clairement, il y a assez de compensation pour le matériel investi. Maintenant, c'est sûr. L'activité, même rien que l'activité, ça irait pour les noirs. Et puis les 4 pions, bon, bah, ok, Ouais, c'est pas c'est rien quand même. G3, c'était la question de Yoka. Voilà, on vient te Donc répondre. G3, malheureusement, ne va pas. Donc c'est la première idée des blancs, c'est que ça perdrait. Donc roi F1 obligé, on déroque. Et donc Maxime, maintenant, essaye d'activer toutes ses pièces. Il va essayer de créer des menaces autant qu'il peut. Donc là, il y a une Donc première menace qui est tour pont C3, je suppose. voilà, et puis sur cavalier F3, il y a tour prend F3 simplement. Avec l'idée de Tombe dans le mat. piège. Cavalier F3 qui attaquerait. Voilà, on pourrait se dire ça attaque la dame, ça attaque le fou. Tour prend échec. Et bien sûr, le prochain coup. Mat au prochain. Dame F2 mat. Donc, les blancs qui doivent commencer à faire attention. Ouais, clairement ici, en fait, ils ont qu'un coup, hein, je pense. Il faut absolument essayer de repousser les pièces noires. Donc ils jouent dame 1. Évidemment, l'échange de dames, ce sera une aubaine. On a une pièce de plus et ça empêcherait les noirs d'avoir une quelconque attaque. Donc ça, c'est un coup qui fait assez mal aux noirs parce que ça les oblige à partir. La dame est attaquée, elle doit reculer, pas le choix. Et maintenant, il fait KF3. Et maintenant, cavalier F3, du coup, est possible, maintenant qu'il n'y a plus de mat. Donc cavalier F3 est un bon coup. Pour l'instant, enfin, il a joué très propre, il a bien calculé avec les blancs. Il a réussi à organiser ses pièces. Et c'est à peu près ici qu'on se dit quand même, on sent que ça peut objectivement pas aller pour les noirs. Les blancs ont toutes leurs pièces autour du roi. La tour en A8 et le fou en C8 ne jouent pas encore. Le fou en D4 est en prise. Ce serait quand même une bonne idée de le supprimer, ce coup-là. Donc on n'a pas l'impression qu'on va se faire mater dans cette partie, en tout cas. Donc ici, on sent pas tellement le danger en fait encore. Et on a raison d'ailleurs, objectivement on a raison. Là, c'est les prochains coups en fait qui vont montrer les défauts encore une fois que vont montrer les blancs dans cette partie. Ok, alors c'est à partir de là qui commence à... C'est à partir de là qu'il va déjouer. Et alors pour ceux qui ont déjà suivi la première partie, on va pouvoir voir presque dans le même ordre. Les mêmes types d'erreurs faites par les blancs que ce qui avait été fait dans la première partie. Donc la première erreur qu'il va faire ici, il va jouer fou G1, qui rappelle un peu le Cavalier coup de la D1. première partie de retour du cavalier sur la première rangée, cavalier D1, trop passif. Donc fou G1 ici, ça fait une attaque, certes, mais ça bloque la tour en H1. Et non seulement ça la bloque, mais en plus ça crée des possibilités de clouage avec soit cavalier, soit fou G4. Clouage qui n'existait pas quand le fou est en H2. Donc non seulement ça, objectivement ça perd un temps, enfin on joue un coup pas très utile, on joue un coup de retrait et on se donne des positions de clouage. Bon, ok, après, il y a quand même une idée derrière, c'est qu'on attaque la tour, on veut la chasser. Alors qu'est-ce qui était mieux que fou G1? Peut-être on peut montrer quand Oui. même. Ici, il y avait moyen, c'est quelque chose qu'on va essayer de beaucoup ressasser toute la soirée, c'est que quand on est bien, il faut essayer de rentrer au maximum dans les variantes concrètes et croire à son calcul en fait. Il faut pas juste se laisser avoir par le fait qu'on est déjà bien. Il faut vraiment, s'il y a moyen de gagner, on va dire, en force, en calculant, il faut y aller en fait. Et ici, il y avait déjà un premier moyen quasiment de gagner en force qui demandait un peu de calcul quand même. Mais on pouvait prendre tout simplement ce fou en D4, le coup qu'on a envie de jouer, hein. Ouais, c'était le coup, on pensait qu'il allait On veut arriver. supprimer ce fou, il nous embête quand même. Donc on pouvait prendre ici, puis on prend obligé. Et ici, le pointu dame D2. Parce Alors, que ça évite la prise à cause de ça.
ça attaque la tour E3, donc le cavalier en C3 n'est pas en prise. Et quand on regarde comme ça, on se dit, bah, ok, maintenant le pion en D4 est en prise, personne ne peut le défendre. Une fois que la dame prend ce pion, elle attaque à la fois le cavalier F6 et la tour E3. Bon, ben voilà, ça s'effondre. Donc si c'est possible au moins de penser jusque-là, à cette position. Et après, il se trouve qu'il y a une variante qui complique un peu les choses. Les noirs perdent pas simplement immédiatement. Je pense que sinon, ils l'auraient trouvé quand même. Je pense qu'il a eu peur de tour point H3. Nouveau sacrifice. Sacrifice. C'est la seule explication que je trouve en fait pour ne pas avoir joué ça. Ouais. Alors, Et puis voilà, quelque chose comme soi, donc on récupère le cavalier, ouais, quand même, dame prend, attaque le cavalier F6. Échec au roi, et ici, il y a une décision pas facile. F2, on voit déjà qu'il y a une fourchette. Bon, ça, on peut l'éliminer assez vite. Cavalier E4. Fourchette royale. E1 est un mauvais coup. Aller en E1, c'est un mauvais coup. Il y aurait trop de problèmes, en fait, avec cavalier E4 suivi de dame H4 échec. Et en fait, il n'y a personne qui peut vraiment protéger ce roi sur cette diagonale noire. Et une fois que la dame bouge, dame H4 échec, ça va être suivi par cavalier F2. Fourchette. Et donc, on récupère du matériel et ça devient. Moins Quand on clair. compte les pièces, maintenant, il y a deux pions pour la pièce. Le roi qui se balade encore dans des terrains assez incertains. Et puis, pas mal de faiblesses, hein, D5 et F4 qui sont assez faibles. Donc la possibilité peut-être plus tard de récupérer un troisième pion qui rétablirait au moins le matériel. Donc voilà, cette ligne-là, ça irait pas, mais sur fou point H3, ok, si on calcule jusque-là, en fait, on se rend compte qu'après roi G1, il se passe pas grand-chose. Le pion en F4 empêche les échecs de la dame. Y a pas... Le roi bloque un petit peu la tour, mais en même temps, la tour, elle est à deux doigts de clouer le fou en H3. Non, mais là, Donc, je fais trois, peut-être juste. dès que le fou bouge, effectivement, on va pouvoir clouer ce fou. Et en fait, bon, bah, cette position, elle est complètement perdante maintenant. Donc, il fallait juste, j'ai envie de dire, juste calculer ça. C'est en fait, la variante, elle dure 4 coups. Et bon, c'est un joueur qui a 2500. Il avait sûrement les moyens de les calculer, ces 4 coups. C'est pas d'une difficulté extrême, en fait. Donc, il fait une première erreur en ne cherchant pas à rentrer dans une variante concrète qui va gagner presque sûr. Alors, on vous a préparé des petits récaps, je regarde ce que j'ai Vas-y. mis. Voilà, donc on va déjà commencer. Voilà, là on est vraiment dans le premier thème, donc je vais vous mettre celui-là. Hop, jouk. Je vais vous l'afficher. Hop, parce que Adrien va te faire une longue explication. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est les trois petits chapitres qu'on a au programme ce soir. Donc là on est dans le premier, sur la psychologie, les erreurs fréquentes. Et là donc à retenir, vous avez déjà ça, vous avez qu'on a un avantage matériel, essayez de rester objectif et de jouer ce que la position demande et pas de jouer en fonction de notre avantage matériel. Alors évidemment c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais c'est l'idée. Ah ben après, à l'entraînement, c'est toujours plus facile, hein. Mais c'est vrai qu'en partie, on a plein de facteurs psychologiques qui rentrent en compte et qui font faire des erreurs, hein. Ça, c'est le drame de tous les compétiteurs. Mais bon, il faut essayer d'en faire abstraction et il faut essayer de rester objectif. Voilà, alors on revient bien sûr sur cette partie. Donc fou G1, Maxime, il répond fou prend C3, attaque la dame en intermédiaire. B Voilà, alors prend. c'était un petit peu obligé parce que s'il bougeait la tour, il perdait maintenant le pion, enfin le fou sur D4 et ça allait pas du tout. Il prend D4 et il n'y a rien du tout, rien, rien du tout pour les. Peut-être Dame juste. prend F4, dame F2, il n'y a plus Dame de problème. B2. Dame F2 et il n'y a plus rien. Et même on force en échange parce qu'il y a le cavalier F6 qui est en prise. Ouais, non, C'est horrible. c'est fini. Ça met fin à la partie. Donc la réponse noire est obligatoire. Ils doivent donner leur fou, et a priori pas une bonne nouvelle, et reculer à tour. Donc ici, on peut faire un nouveau petit point. Il a réussi à se débarrasser du dangereux fou D4, mais en contrepartie, il a perdu du temps. La tour en H1, maintenant, elle va mettre beaucoup de temps à rentrer en jeu, parce qu'on a mis une nouvelle pièce sur sa route, le fou en G1. Et du coup, le fou en G1 ne défend plus le pion F4, et le pion en D5 est aussi en prise. Oh là, oui, c'est vrai que maintenant il y a deux pions qui traînent. Donc maintenant, il y a deux pions qui prennent. Donc ça fait... Il va pas les prendre, comme on va voir dans la partie, mais ça aurait été déjà une possibilité pour récupérer du matériel.
En l'occurrence, il va notamment pas prendre le pion F4 parce qu'il y aurait fou H2 qui récupère le pion D6 derrière. Donc le pion F4 est à moitié en prise, on va dire. Donc si Dame Donc, prend. il a joué C4, effectivement, qui défend le pion D5. Donc si Dame Ici, prend je fou H2, hein, suppose c'est que ça. le problème, c'est fou H2, fou prendre D6. Ah, c'est horrible, en plus ça attaque de partout derrière. Ouais, non. Et donc le pion F4 est à moitié en prise, Ok. juste pas à ce coup-là, mais un jour, il sera en prise. T'es sûr. Je vais peut-être attendre allumer une lumière Ouais, moi aussi en fait. pour que ce Même soit un si je petit suis peu un peu mieux. moins Voilà. dans le noir, mais comme ça Ouais, la on nuit est est tombée. un peu plus éclairé, voilà. Donc Donc C4. C4, qui est pas non plus un coup extraordinaire, on va dire. C'est un coup quand même assez lent. Il défend son centre, certes, mais ça manque de jeu, en fait. Il fait absolument pas jouer ses pièces en jouant un coup comme C4. Donc il y avait peut-être moyen de faire mieux. En tout cas, il s'accroche. Là, ici, l'erreur qu'il fait, c'est de s'accrocher à tout prix à son matériel. Il veut garder une pièce simplement contre un pion. Donc, tant pis, il va retarder encore le fait de faire jouer ses pièces par ce coup de C4. Alors, fou G4 joué par Maxime Lagarde. Il pouvait Ouais, aussi alors. essayer de peut-être fou F5. Il y avait effectivement peut-être fou F5, mais à la limite, c'est un détail. Parce que c'est dans l'idée, les deux coups ont à peu près Ouais, la même idée, noter. c'est de jouer très vite tour A8. Ouais, à noter qu'il empêche Dame H4. Alors d'ailleurs, peut-être qu'au coup d'avant, Dame H4 c'était une Oui. idée, je sais pas. Je Donc crois que c'était dans là, les coups qui étaient envisageables, Dame H4. il y a un problème ici avec le fou en E2. Voilà, c'est l'idée. De fou G4, donc Dame H4 pas possible. Peut-être qu'au coup d'avant, c'était un coup que les blancs pouvaient tenter pour rechercher l'échange des dames. Même si il y aurait eu peut-être Dame G7 en réponse, je suppose. Probablement, ça aurait été nécessaire, mais je pense, oui, je pense qu'il n'a pas voulu parce que maintenant sur C4, il y a cavalier prend D5 du coup. Ah d'accord. Avec la tour qui est en Avec prise la tour en là-bas. H1 qui traîne, vu que les tours ne sont pas liées. C'était le problème de Pas du la. tout lié, ouais. On peut Ah dire. non. Ça marche. On a vu des tours pas liées, mais pas celle-là. Alors, il joue tour H2. Ici. Du coup, il sait pas trop quoi faire. Enfin, Ouais, il n'a j'imagine. pas réussi à gérer les choses convenablement. En fait, il va faire la même une autre erreur que j'ai faite dans la partie précédente. La Il va structure. accepter de saboter sa structure. Ouais. Tour H2, il accepte que sur fou prend F3, maintenant on est obligé de faire G prend F3. Et que du coup, potentiellement, le pion F4, le pion F3 sont des grosses faiblesses. Et c'est ce qui va permettre simplement à Maxime d'avoir assez de compensation du coup. Le pion, plus l'activité des pièces, plus la structure, ça commence à faire beaucoup en fait. C'est que des petits enchaînements comme ça, petit à petit. Mais Ça au final, s'accumule. ça va compenser une pièce entière. Ouais, à force, ça s'accumule. Donc, Et alors, bon. peut-être tour A3 est un meilleur coup. Ok, Pour ici. juste empêcher que fou prend F3 détruise la structure, Est-ce pouvoir qu'il n'y a reprendre de pas la juste tour. ça maintenant? Alors ici, ça a l'air effectivement problématique. Sinon, on peut pas bouger la dame? Alors peut-être fallait jouer un dame, mais si tu la bouges sur une mauvaise case, attention, il peut y avoir cavalier E4. Donc Ok. peut-être dame G3. Ouais. Peut-être que c'est dame G3 la bonne idée. Hein. Et tour A8, à ce moment-là, tour A2, quelque chose qui tient comme ça. Ouais, tour A2 ou tour E1, je sais pas lequel. Bah, Et tour 1, si. j'ai pas très envie de me clouer comme ça, Ouais, ok. mais. Je Mais comprends. a priori, ok, peut-être c'est possible, hein, mais tour A2, ça a l'air ok. Ouais. Donc là, Et peut-être. bon, la position n'est pas simple à jouer, mais au moins on ne se fait pas abîmer la structure. C'est ça Ouais, et on a toujours une pièce de l'esprit. plus Ouais. quand même. C'est ça. Donc. Alors, tour H2, donc ça permet fou prend F3, G prend F3. Donc on retrouve ces deux pions doublés, isolés, les noirs qui amènent leur dernière pièce en jeu. Voilà. Donc on voit quand même l'idée de tour H2. Il défend déjà son fou, donc il peut bouger la dame. Ok, une petite Il idée de dame cherche un moyen pour activer sa tour. On ou peut quand de même F5. lui Ouais, attribuer ça, mais. c'est ce que d'ailleurs j'avais pensé quand il faisait tour H2. Au moins, il active sa tour qui était dans le coin. C'est ça. Cavalier Mais H5 qui se bon, prend. ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Cavalier H5, qui commence à arriver sur les bonnes cases et où il sera jamais chassé parce que les pions F3 et F4 sont affreux. Donc la dame ressort, va arriver de l'autre côté. Oh. Et maintenant, il n'y a plus personne en fait qui est en train de défendre l'aile dame. Donc les pions de l'aile dame sont potentiellement très faibles. Et c'est très dur maintenant. Là, c'est déjà mieux en fait. C'est un peu dur à croire, hein. Il n'y a qu'un pion pour la pièce, mais c'est déjà avantage noir ici, Ouais. probablement. Les pièces blanches qui ne trouvent pas d'action à faire.
Non, c'est ça. Je crois que les ordinateurs disent que c'est encore égal, mais objectivement, c'est tellement plus facile à jouer pour les noirs que Ouais, ça... en pratique, c'est très très dur de s'en sortir ici. Il ça a va l'air craquer très vite. désagréable à jouer. Ouais. Et là, on monte vite fait à Ensuite... la fin de la partie, peut-être? Ouais. Puisque Ouais, on va là. voir comment il réactive ses pièces très rapidement, Maxime. Cavalier Le cavalier G7, un joli H5 coup. n'était pas optimal, donc il se rapproche de F5, d'où il va menacer beaucoup plus de choses. Ouais, il voit que ses pièces lourdes sont optimales, mais pas Ouais. le cavalier. Ouais. Du coup, G7, très joli coup d'activation. Et en fait, il se dit aussi qu'il s'en fiche de pas prendre le pion F4 finalement. C'est un pion qui bloque beaucoup les pièces blanches. Ça empêche le Ouais, fou tout à l'heure on parlait G1 de de fou prendre H2, diagonale. fou prend, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, et d'ailleurs, sur cavalier G7, l'autre a Il fait le le donne choix de d'ailleurs, le ouais. donner ce pion. Donc, il se met sur la route du cavalier juste pour que la dame puisse ressortir un petit peu et vivre. Et là, ça fait deux Et pions, hein, donc, c'est ça, il a deux pions maintenant, contre ça un fait pion. deux pions et maintenant, les noirs sont mieux, c'est à peu près sûr. Et il va convertir assez facilement en allant chercher simplement un troisième pion. Là, les blancs savent plus trop quoi faire. Le pion A4 tombe. Et dès que ce pion A4 tombe, ben, l'aile dame est prête à se mettre en marche. Donc, comment on Et dit à c'est la comme fin de ça la qu'il va partie? gagner. Ouais. Il cherche du contre-jeu là où il n'y a plus personne, à l'aile dame. Il laisse passer son pion A. Ouais, il est même prêt à échanger les dames parce que maintenant les pions passés sont juste trop forts. Donc il n'y a pas de problème à échanger les dames. Voilà, et Et là il met en c'est route parti. ses Ouais. pions passés liés. Et les blancs, On bah voit les qui. cavaliers E3 échecs avec des possibilités de fourchette un peu partout. Ah Ça oui, il peut pas ramener empêche sa tour à cause de tour G2, ça l'échec. empêche fou C2, ça empêche beaucoup de choses. Aïe, c'est horrible. Ouais, ce cavalier en D1, il est terrible. Hein. Voilà. Et c'est la finale gagnante pour les noirs. Il y a eu fou D2, tour G3. Il pousse Ça pousse tout. trop vite. Et les blancs ont essayé de faire un blocage. Ouais, essayer de rester avec les deux pièces, mais là, une petite tactique pour prendre le pion C4. Ils se prennent une petite tactique, 6 tours prend tour. Cavalier prend des deux fourchettes et on reste avec 3 pions, 4 pions de plus. Oula, ça fait beaucoup. Ouais, à force d'en perdre, hein, si on récupère une pièce à la fin, ça fait Ouais. beaucoup de pions. Hein. Donc fou prend C4, tour prend C4. Ça fait 4 pions, et puis bon, les pions A et B sont trop forts, ça fait juste dame Abandon, immédiatement. abandon. Abandon, sur tour prend, il y avait B2 et tour C1. Au prochain. Très joli. Et on va gagner la tour. Voilà. Voilà. Donc Une partie joli. impressionnante parce que c'est vraiment un don de pièces spéculatif dans l'ouverture. Objectivement pas bon, encore une fois, hein, à ne pas refaire à la maison. Ouais. Mais bon, c'est plus facile. Et les blancs vont pêcher par les défauts habituels qu'on a quand on est gagnant matériellement, mais qu'il faut subir un petit peu, on ne veut pas trop subir, on ne veut pas trop calculer. Enfin, c'est tout ça qui s'est accumulé dans cette partie. Donc, tout ça pour dire les défauts qu'on peut avoir quand on est gagnant, mais aussi les choses sur lesquelles il faut jouer quand on est dans situation inverse et qu'on est perdant. Ici, typiquement, Maxime, il a joué là-dessus. Il est entré dans des variantes où il proposait, ou plutôt il proposait des variantes difficiles à calculer, dans lesquelles on n'avait pas envie de réfléchir et qui étaient vraisemblablement les meilleures. Mais bon, il sait que son adversaire, il n'a pas envie de se compliquer la tâche et de rentrer dans ce genre de variantes compliquées. Donc, il joue un petit peu là-dessus, en fait. Ok, intéressant pour ce premier chapitre sur la psychologie. Pas mal d'éléments déjà qui vous ont été donnés qui vont permettre parfois de mieux comprendre ce qui va se passer dans les deux autres chapitres. On y va pour le deuxième chapitre. Donc là, dans les deux premières parties, on s'intéressait à des exemples où il y avait un retard matériel assez clair. Ici, dans les deux cas, c'était une pièce contre un pion. Là, on va s'intéresser à des positions où il y a un joueur qui est moins bien, mais c'est beaucoup plus positionnel. C'est pas forcément matériel. C'est d'autres types de moins bien, on va dire. Ok, on va se mettre du côté du moins bien. Allez. Donc c'est Toukmakov, pardon, contre Vitolins, 1980. Donc ça, c'est un exemple que j'ai tiré d'un livre qui m'avait beaucoup marqué. Donc je vais attendre qu'on arrive à la Ok, position ça marche, intéressante on avance. pour Donc en parler un petit peu. Ouais. ça c'est quoi? C'est une Bogo indienne, c'est ça? Bogo indienne, ouais, il faut B4 échec, Bogo indienne. Une variante avec C5 qui est pas considérée comme douteuse, mais c'est pas la grande ligne non plus, on va dire. Ok.
G3. Allez, on avance. Les deux joueurs développent leur fou en fianchetto. Oui, c'est tout ça, c'est assez logique. Donc A3 très logique pour essayer de se débarrasser de ce pion en B4 qui est un peu embêtant, qui empêche le coup qu'avait la Voilà, qui gêne le C3. développement en fait. Voilà. Et l'idée classique de l'adversaire, c'est de ne pas échanger, mais de d'accepter l'échange s'il arrive, mais au prix de laisser le cavalier arriver du coup directement sur B4. Ok, Un donc petit là, peu plus malin que de prendre soi-même en A3. il prend pas. Cavalier Ouais, il va 2. y avoir une sorte d'équilibre où aucun des deux joueurs ne veut faire la concession de qui prend en premier. Personne ne veut prendre, ok. Voilà, c'est ça. Les deux veulent attendre que l'autre le fasse. Dame E7, tour à C1, tour à C8, vraiment du développement, hein. Les deux joueurs qui ont relayé leur tour. E3, E5. Donc logique de mettre des pions sur la couleur noire avec un fou sur la couleur blanche. Les deux joueurs font C'est pareil ça. d'ailleurs. Cavalier E1. Échange du fou en G2. Échec. Le roi recule. E4. Et cavalier C2. Ouais, et c'est donc ici que donc cet exemple, je l'ai lu dans un livre de Dvoretsky, donc qui était hyper réputé comme entraîneur. Dvoretsky, un des meilleurs entraîneurs du monde de toute période confondue. Et donc dans son livre Positional Play, donc sur le jeu positionnel, où il s'intéresse à plein de choses. Donc le livre déjà est vraiment très bien. Et il y a une partie du livre où il s'intéresse justement aux situations où un joueur est moins bien et il donne quelques conseils pour maximiser les chances de s'en sortir. Évidemment, il n'y a pas de vérité, hein. Si on est moins bien et que l'adversaire joue bien la suite de la partie, on va perdre. Normalement, Normalement. ouais. Il n'y a pas de. Voilà, on peut, quelque Selon la part, j'ai envie loge. de dire, contre un ordinateur, ça ne sert à rien, on ne peut rien Ouais. faire. C'est purement psychologique, on va dire. Et donc il explique qu'un des bons moyens de perturber son adversaire, c'est d'essayer de changer la nature du désavantage. Donc par exemple ici, le désavantage, ça va être le centre déjà. On a les deux pions en D4 et C4 qui prennent beaucoup de cases. Ça va être ce qui est en train de se passer à l'aile dame. Un jour, on va devoir... Ici, en fait, on est un peu obligé, maintenant que le cavalier est en C2, on est un peu obligé de prendre en A3 et du coup de laisser... Et de laisser le cavalier arriver vers B5. Et du coup, les pions blancs sont un petit peu mieux centrés. Les pions B6 est faible. Voilà, on est positionnellement un peu moins bien, tout simplement. Et donc, ici, il va essayer de changer la nature de ce désavantage. Donc, par exemple, d'une situation où positionnellement on est un peu moins bien, on va se dire, peut-être je sacrifie un pion et je récupère du coup l'initiative. Alors on va Ça voir va être une si... façon Voilà. de changer de désavantage. On va voir si vous arrivez à trouver le coup des noirs. Voilà, exercice pour vous. Adrien vous a bien présenté les problèmes des noirs. Donc les noirs qui cherchent des idées pour modifier le type de position, pour trouver aussi Voilà. des ressources. Des ressources pour pas juste souffrir pendant 4 heures. Et alors pour ceux qui sont habitués à regarder les échecs français de haut niveau et les parties de MVL, c'est quelque chose qui fait énormément dans ces parties en fait. Maxime Vaché-Lagrave, il est très connu pour surtout dans ses parties avec les noirs où il a tendance à un peu plus souffrir qu'avec les blancs évidemment. Mais dans ses Grünfeld ou dans ses Nergdorf, il est très connu pour de temps en temps sacrifier un pion pour récupérer l'initiative, quand il commence à être un petit peu sous pression, on va dire. Ouais, il fait très souvent. Donc c'est un système de défense vraiment typique. On change la nature, et c'est pas forcément toujours en donnant un pion, hein. Là on s'intéresse qu'à ça. Ça peut être l'inverse, ça peut être si on subit et qu'on a un pion de plus, ouais, du coup c'est un peu la même chose, Pour on peut redonner, rendre le pion ouais. pour ne plus subir. Et ça peut être différents types de changements de position. Ouais. Alors, il y a beaucoup de D5, il y a beaucoup de B5 et H5, D5, ouais. B5. Les deux coups plus donnés, j'ai l'impression, D5, B5. Des coups, effectivement, qui avancent les pions faibles, donc ça part peut-être d'un bon sentiment. Parce que c'est Alors, je vrai que... crois que B5 est d'ailleurs un assez bon coup, Ah! objectivement. B5 et Ok, pas mal. B5, Ah, l'autre. pardon, pardon, pardon. Oui, je Ouais, voulais montrer c'est que, en jamais fait, clair. je voulais commencer par peut-être celui qui marche pas bien. Parce qu'on va avoir un problème avec Ouais, le pion E4, là. Si du coup, jamais c'est on ça, ouais. prend, on va perdre le pion en E4. Et si on prend de la dame, c'est la même chose. Mais B5, par contre, était assez malin. Ok, en tout cas, vous partez d'un bon sentiment, c'est de détruire aussi ce duo de pions qui est pas mal. Donc il y a de l'idée. Et B5, du coup, c'est celui qui marche mieux.
Ouais, c'est celui qui marche mieux, qui a pour idée de, je pense, sur Apprend B4, de laisser la structure se faire abîmer, faire. Ouais, j'aurais dit faire A4, mais ça peut être aussi Apprend B, parce que si cavalier prend, B prend C. Il y a ce petit problème-là. Là, on C'est gagnerait pas quelque cloué, c'est chose. défendu, mais on attaque la dame, on attaque le cavalier B4, donc il y a un problème ici. Donc sur B5, je sais pas exactement quel est le meilleur coup des blancs. Je sais que B5 était un bon coup aussi, mais c'est pas ça qu'il a fait dans la partie. B5, c'était un bon Ok, moyen en tout cas, de pas s'en mal. sortir aussi Il y a positionnellement. de l'idée pour B5. Il y en a aussi qu'on proposait A4. Bon, mais là, je sais pas s'il y a vraiment une idée après Dame prend. Non, A4 pour l'instant c'est juste dame prend, c'est réfuté, ouais. Mais le bon coup a été trouvé. Oui, il était proposé par plusieurs internautes. Ouais. Donc, C'est. notamment Arnaud qui posait des questions tout à l'heure. Donc, bien joué, Arnaud. Dame D7. Avec Effectivement l'idée dame D7. de Donc s'infiltrer sur l'aile roi. Exactement. ça abandonne l'aile dame, hein. Ça clairement ça donne le pion B4 et peut-être même les autres pions. Et la seule idée, c'est d'aller attaquer en H3. Alors d'ailleurs, du coup, sachant que la seule idée est dame H3, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe sur roi G2? Ouais. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Parce que si c'est ce qu'on peut vous conseiller aussi, si vous avez une seule idée et que l'adversaire peut vous la contrer facilement, est-ce que c'était vraiment une bonne idée, quoi, de la Bah, tenter, quoi? sinon, cette dame en D7, elle est moins bien placée finalement, elle défend plus le pion B6. Donc, vu qu'on est parti pour devoir faire B prend A3 pour ne pas perdre de pion, on a fait un mauvais coup en fait avec Dame D7. Alors, ça va, le chat est vigilant. Bien vu, Ouais. Gwenaël. Nils, Ethan, Simon, Best of Fortnite, tout le monde. Allez, bien joué. Ils ont des yeux partout, hein. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite. On essaie de faire diversion à l'aile roi, mais C'est bon, vrai tant qu'on pis. a dit la seule idée, c'est Dame H3, mais non, ils ne se sont pas fait avoir. Bien joué. On sent les blitzers, là, c'est bien. Donc, A4, on Donc attaque la effectivement, il y dame. a A4. La dame casse Seule case pour la dame, dame une A2. seule case, et bim, fourchette. Voilà, donc c'était l'idée cachée. Enfin Voilà. caché, je sais pas si elle est vraiment cachée, mais en tout cas, bien Ah, joué. Ouais, ça un peu caché, peut. un peu caché. Ouais, dame D7, on pointe pas vers le coup A4 normalement. Donc ouais, c'est un peu vicieux, hein. Oui, et donc les blancs prennent en B4. Bon, les blancs se font pas Ils n'ont pas de avoir. choix C'est finalement. Toukmakov, quand même. Bon, pas de blague. Et Dame H3, en conséquence de quoi? Dame H3 est joué. Il y a une petite chose à signaler aussi quand même. Je voudrais pas que ceux qui suivent cette masterclass se disent, bon, bah, à chaque fois que je vais être mal, je vais lancer une attaque et ça marchera très bien, ça va perturber mon adversaire. Ici, on peut quand même voir pas mal de critères qui laissent penser qu'une attaque est possible. La première chose, c'est la structure des blancs. Ils ont mis tous les pions sur case noire. Et ils n'ont plus de fou de chien keto, donc forcément, ça laisse des trous sur case blanche. Donc ça, c'est un premier critère hyper important. Si le pion était en G2, ce genre d'attaque n'aurait peut-être même pas lieu d'être. Donc c'est déjà énorme comme critère. Il y a un deuxième critère très important qui est commun à plein de positions d'attaque, c'est le pion E4. Le pion E4, c'est toujours un attaquant génial, en fait, parce que il attaque pas di directement le roi, mais il empêche les pièces adverse de pouvoir revenir en défense. Notamment dans ce cas-là, jouer voilà toutes ces coups-là, dame D3, dame F1, effectivement. Cavalier F3 principal, souvent par cette case qu'on essaie de passer. Voire même de pousser E4 pour jouer dame F3, parce qu'il y a un pion en E4 qui bloque. Donc tout Et ça, des c'est des coups fois, qu'on n'a pas à disposition. voilà, et des fois le pion rejoint l'attaque, soit en prenant là et en Et des menaçant la fois, mate, ouais, bah c'est. On va voir que c'est ce qui va finir par arriver. ou en poussant dans certaines situations. Ouais, non, c'est le pion E4 est vraiment un facteur majeur de l'attaque. Donc ici, ça fait au moins deux critères, la structure des blancs et ce pion E4 qui laisse indiquer que clairement on peut peut-être faire une attaque. Alors Et effectivement, puis, ça parle beaucoup de cavalier vas-y. G4 sur le chat, mais vous n'allez pas mater aussi facilement que ça, ne vous inquiétez pas. Il y a effectivement, comme le signale Adam sur le chat, cavalier F1 qui défend très bien. Non, la vie n'est pas aussi simple. Et puis, alors, troisième critère aussi, c'est qu'on voit le positionnement des pièces. La majeure, enfin, toutes les pièces blanches sont à l'aile dame. Il n'y a pas de défenseur pour l'instant. On voit que la dame a beaucoup de mal à revenir en défense.
Le seul vrai défenseur, en fait, ça a été dit dans le chat, c'est ce cavalier en D2 qui peut revenir facilement en F1. Pour le reste, les tours, on ne voit pas comment elles vont aider, enfin, pas immédiatement, la dame est très loin. Donc, on peut facilement créer un surnombre, en fait. Voilà beaucoup de critères qui montraient quand même présager une attaque, qui laissaient présager une attaque. Alors les blancs, bon bah qui se disent c'est pas si grave pour l'instant, cavalier G4, cavalier F1, donc ils prennent là-bas. Ouais, il récupère le matériel au moins. Cavalier G4 quand C'est même. et Cavalier G4, F1, c'était cavalier prévu. F1, pas de choix. Et là peut-être une question pour le chat. Comment est-ce qu'on continue Donc à vous avez attaquer? les noirs, bon bah c'est bien beau, vous avez voulu mater en H2, c'est raté. Que faites-vous maintenant? Comment vous continuez? Il faut faire vivre cette attaque un petit peu. Là, je pense qu'on peut voir de beaucoup de plans différents, à mon avis, Ouais, arriver, mais. ça me donne des idées d'ailleurs. Oui, il y avait clairement peut-être plusieurs façons de faire. Il y en a probablement des meilleures que d'autres, mais on ne dit pas du tout qu'il n'y avait qu'une seule façon de gérer les choses pour Alors les essayez de blancs. mettre votre plan, hein, pas juste un coup. C'est bien si vous avez un plan qui va avec votre coup. Oh là, alors là, il y a. C'est Tristan, je crois, qui est chaud bouillant là, qui joue tour C5. Un point d'imagination. C'est pas bête. C'est bien d'y C'est penser pas bête, déjà. mais C'est bien d'y le penser. problème, c'est que on a du mal à croire que ça va mater derrière facilement. C'est le bémol, c'est qu'il faut vraiment que ça mate pour que ce soit bon. Juste un cavalier en D3. En fait, au pire, Tristan, même si tu fais un cavalier D3, il y aura tour prend D3, je pense. Au pire, il va repousser Ah, et et tu tout. penses pas qu'il voulait revenir vers d'autres cases? Je sais pas. Je Après, sais pas. À je lui sais de pas nous dire. encore. Bah, il a dit que ça marchait pas du tout. Bon. Alors, il y en a qui ont proposé tour E8, tour E6, tour H6. Le problème, c'est que c'est un peu lent. Qu'il faut pas oublier que dans deux coups, il y a un pion qui arrive en septième de l'autre côté. Et dans trois coups, On il nous peut fait pas mat. oublier qu'il y Alors, a. Voilà, c'est ça. Donc, on aura tour B8. Mais bon, ce pion, ça sera du contre-jeu pour les blancs. Et j'ai envie de dire, même si la tour arrive en H6, quelle est la menace? je suppose qu'il voulait faire qu'il prend H2, mais tu veux dire qu'il prendrait Le roi et qu'il s'échapperait partirait. et. Ok, mais on peut Voilà. montrer, c'est intéressant. Puis on prend, on y va. Bon, déjà, on se prend ça. Ok, admettons qu'il fasse Bah, un tu peux coup, mais jouer tour A1, par exemple, je sais ouais, pas. allez, on y va. Donc, boum. Et même si je prenais, j'aurais une autre défense, j'avais cavalier D1 pour défendre, mais même ça, cavalier E1, pardon. Même ça, en fait, mon roi s'échappe, en fait. Ouais, on peut se prendre 2-3 échecs et après. Voilà, c'est ça, roi D2, Allez, on se barre en salut! C1 et fini. Tour A8 arrive, il n'y a plus de menace. Donc même le plan de faire passer la tour en H6, il a l'air sympa, mais en fait concrètement, il se passe pas non plus grand-chose. C'était J'ai quoi l'impression. Hein. la deuxième dé C'est peut-être défense que même. tu voulais montrer? Tu avais cité une deuxième. Cavalier E1 pour tenir la case F3. C'était Et du coup, ici du coup. ici. Ah ok. Ah non, au lieu de tour prend A6. Cavalier E1, parce que du coup, sur cavalier prend H2, je prends tout ça. Et après roi F1, il n'y a même plus de dame H1, dame Y a même F3, plus parce que je échec. contrôle la Ouais. case. Y a même plus C'est juste pour échec, éviter donc ça. il y a rien du tout. Ok, intéressant ça. Carlsen, si tu peux écrire en minuscule, c'est mieux. Merci. Peu moins agressif. Ouais, c'est un peu agressant. Ok, alors qu'est-ce qu'on avait d'autre comme proposition? Ethan, cavalier C5. Alors, il fait dans l'autre sens, lui. Cavalier C5, puis cavalier E5. Mais il va se prendre. Alors, attends, c'est intéressant quand même, peut-être. Ouais. Alors le problème c'est le même en fait, c'est qu'il n'y a pas de menace. Ah mince! Une fois que le cavalier arrive en F3, Ouais. c'est bien. Allez hop! C'est bien, mais on en reste là. Voilà. C'est. C'est élégant, Il manque mais. un truc. Il manque un truc pour que ça marche. Peut-être Et qu'on on va pourrait faire. Ah imaginer. non, j'ai cru qu'on allait faire marcher ça, Ah, mais. je dis pas que c'est pas dangereux, hein, Ah, mais ça a mais l'air. normalement, ça me laisse du temps pour me retourner un petit peu avec les noirs. Ouais. Ok, Avec ouais, les blancs, pardon. petit cavalier E1, peut-être un moment. Peut-être un jour, ouais. Je dois réussir à m'en tirer. Ok, alors. Ça a l'air trop lent du coup quand le plan réussit à fonctionner et que ça y a pas de menace. En général, c'est que c'est pas très bon signe. Alors, c'est bien joué du côté de Gwenaël. Gwenaël, Oui, Adam aussi. j'ai vu Adam, que ça avait été trouvé plusieurs fois. Ouais. cavalier C7. Alors, bon, mais ça, c'est une Voilà. logique d'attaque. Maxime, il vous aurait houspillé si vous n'avez pas fait ça la semaine dernière. Vous a dit, c'est fait de participer toutes vos pièces.
Donc un cavalier là-bas, ça n'attaque pas, donc on y va. Cavalier Et il y a un C7. chemin qui le permet de le ramener. Et en fait, on se rend compte que c'est un meilleur attaquant que les tours ici. Vu qu'il y a des cases faibles et des échecs à tirer, c'est un meilleur attaquant. Et en plus, du coup, les tours resteraient en défense de cette huitième rangée pour ne pas se prendre de dames trop rapidement. Deuxième avantage. Ok, on garde les tours pour surveiller au cas où. Alors. Essayer de ne pas tout miser juste sur le fait qu'on va mater. Et puis, si on mate pas, on a deux dames de moins, quoi. Et les blancs qui, bah, qui font un coup qui a l'air logique parce qu'on se dit oula, cavalier aussi ça arrive dans l'attaque, je vais l'empêcher. Ah, c'est long aussi, hein. Je réagis effectivement au chat, c'est effectivement un peu long pour, comme plan, C'est mais vrai. bon. Bah, au moins on ramène Il est... Et puis la menace créée à la fin est beaucoup plus efficace que la menace de ramener la tour en H6. Ouais, c'était un mat avec cavalier en F3 et roi H1, cavalier prend F2 mat. C'est ça. C'est sympa. Donc, si... Ouais, non, ça ne va pas si lentement que ça, en fait. Alors, on fait quoi? On continue. Donc, comme il peut plus passer par là, il est passé par en dessous. Il est passé par là, ouais. Il veut toujours Et ramener alors, son cavalier. peut-être, quel est, est-ce que les gens peuvent voir le défaut pour les blancs d'avoir joué D5? Qu'est-ce que ça va nous permettre en fait? C'est ça qui va changer vraiment les choses. Sinon, effectivement, on ne voit pas trop ce que le cavalier vient faire vers E8 et F6 pour l'instant. Mais voilà, c'est ça. Ça a été trouvé, c'est que ce coup de D5 laisse la case E5 au cavalier. Donc en fait, c'était le cavalier C7 qui voulait aller vers F3 à l'origine. Et maintenant, on va permuter les cavaliers en fait. On va faire passer le cavalier qui est en G4 vers F6 et c'est l'autre qui va prendre la place en G4. Une petite permutation de cavalier et ça doit à peu de choses près revenir à peu près au même. Et Donc c'est pour cavalier ça, E8 continue le plan. voilà, c'est pour ça qu'il aurait peut-être pas dû faire D5, même si ça semblait logique sur le moment pour empêcher le plan. Ouais, c'est dur de trouver les meilleures défenses dans ces cas-là. Peut-être les meilleures défenses venaient, c'est ce que Dvoretsky explique, c'est de jouer cavalier E1. Et du coup, de se donner assez rapidement la possibilité de jouer F3 pour pouvoir ensuite défendre sur la seconde rangée avec les tours, voire la dame. Et une fois qu'on arrive à... Déjà, du coup, on résout le problème de la case F3. Ouais. Et une fois que les tours reviennent en défense, bon, on se dit, bah, finalement, ça va. Donc il y avait ce moyen de venir défendre, mais il faut bien comprendre la difficulté psychologique de ce genre de choses. C'est que il y a quelques coups, il y a 4 coups, les blancs étaient dans une position tranquille où ils voulaient simplement faire jouer leur petit avantage positionnel, pas se prendre la tête et essayer de gagner à la dame, basiquement. Et en 4 coups, ils se retrouvent dans une position beaucoup plus compliqué, où chaque coup peut être une gaffe, peut être perdant, et où ils peuvent être mat. Et ce changement radical de type de position les force à changer radicalement leur état d'esprit, et ça, en fait, c'est très difficile en partie. Passer d'un moment où on est très calme, où tout va bien, c'est positionnel, à un moment où c'est très tactique et on se fait un peu agresser, c'est en fait un changement d'état d'esprit très difficile. Et ici, je pense qu'il n'a pas voulu affaiblir son roi, il n'a pas voulu jouer un cavalier E1 F3, on n'a pas envie de toucher à ses pions du roi quand on se fait attaquer. Il n'a pas réussi à se mettre dans l'idée que le type de position avait changé, qu'il fallait réagir concrètement ici. Et D5 n'est pas concret en fait. Alors, il sait qu'il y avait des 4, ce coup qui a l'air très joli. Cavalier Ouais. F6. Contrôle la case F3, ça y est, KD4 a l'air à peu près normal. Et là, il fait apprend B. Il craque un peu. Il laisse. C'est dur de Ouais. critiquer un coup comme apprend V6 en fait. C'est Ouais. très dur. Mais effectivement, il se met en grand danger. Ici, c'était un peu la même idée que cavalier Dernier 1, il moment, fallait ouais. toucher au pion F. Dernier Il moment fallait à pour nouveau libérer. sortir ce pion F et laisser les tours jouer sur la seconde rangée. Et bon, c'est pas simple, hein, mais. Alors après B6, il y a cavalier point F2 qui a été proposé, mais je pense pas que ça marche. Alors, on tente. En fait, j'ai l'impression que le roi, le pardon, le cavalier en F1, il défend les pions qui sont en prise, donc Il défend bien. Hein. il y a pas, Solide. et puis du coup finalement les blancs ont réalisé leur l'idée qu'on proposait, c'est de En d'ouvrir la plus, seconde rangée pour libéré, ouais. laisser passer les tours. Donc très bien. Non, cavalier point F2, ça va pas. Non, c'est plus calme que ça en fait ce qui va se passer.
Alors, cavalier E5, bien vu, Ethan. Bon, Ouais. vous l'avait déjà dit avant, hein, que c'était le plan. Menace cavalier F3. Là, ce qu'il y avait les trois qui matent hein, quasiment. Enfin, si on laisse faire, je sais pas, on peut peut-être regarder B7 par exemple. Oui. Cavalier F3 échec. Bon, évidemment, cavalier prend paire. Mat en G2 au prochain Imparable. imparable. Et si roi H1, je ne sais pas dans quel sens. Soit cavalier prend H2 tout de suite, soit cavalier G4 d'abord. Je jouerai d'abord cavalier G4, je pense. Menace mat. Menace mat en F2. Ok, admettons. Et si tour là-bas, on prend, je ne sais pas lequel, cavalier H prend. Pardon, cavalier G prend H2. Et il faudra un petit miracle maintenant pour sauver ça. Ça a l'air dur. Mais là, j'en vois pas, non. Ok. Bon, sur la promotion en C8, il faut reprendre quand même. Ah non, il y a même cavalier G4 qui mate, d'accord. C'est Parce joli. que Ouais, faut faire on gaffe. empêche la. Faut se Voilà. concentrer. Soyez toujours concentrés. Vous dites pas, ok, je fais un mat très élégant. Et non, ouais, c'est Ou. accident. Deux dames de moins. Voilà. Donc, ça, c'est la menace. Donc, il fait F4. Donc il joue F4 Finalement. pour s'en sortir. Il n'avait pas le Finalement. choix, hein. Le coup qu'on avait dit deux fois, Ouais. ouais. Donc pion prend F3, hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sacrifice à faire. Pour l'instant, on gagne un pion et comme on l'a dit, finalement, le pion E4, qui n'était pas un attaquant à la base, se retrouve à menacer mat. Et c'est tellement surprenant en fait. Alors là, c'est très dur d'expliquer sa gaffe objectivement. Mais là, les blancs vont pas parer le mat. Alors ça paraît incroyable, mais Il l'a parce pas que vu. Toukmakov, c'était quand même un joueur assez monstrueux dans les années 80. Alors peut-être il était un petit peu sous pression à la pendule, Ouais. je sais pas. La partie est pas sur chaise bombe, mais en tout cas, donc il s'est pris un mat en 1. Et pour Dvoretsky, qui était par contre lui déjà dans le circuit à cette époque-là, il explique cette gaffe par le fait que à aucun moment en fait il a réussi à changer son état d'esprit. Et en fait, il s'est retrouvé un peu choqué de devoir se retrouver d'une position calme à une position où il doit défendre de façon très précise. Et il n'a pas réussi à s'adapter psychologiquement à ce changement de position. Et donc voilà, c'est purement psychologique en fait. Donc là, c'est bien là qu'il faut comprendre que c'est que de la psychologie. Il n'y a Eh rien qui ben. explique qu'un changement de position vous aide à vous en sortir. C'est juste pour perturber au maximum votre adversaire. En fait. Ok, on peut peut-être jeter un coup d'œil sur ce qui serait passé s'il n'avait pas craqué. Ouais, alors la position était très compliquée probablement. Il faut jouer tour D2, tour C2, je sais pas laquelle. Peut-être finalement tour C2 parce que tour D2 et cavalier E4 sur tempo donc. Ouais, mais en fait, même tour C2, il y a des petits ennuis, c'est ça? Ah, mais dans tous les cas c'est compliqué, hein. Il y a Ouais. cavalier E4 suivi de F2, Il y a du il y tour a ah pont oui il qui peut aussi traîne. y avoir tour prend C4, c'est vrai j'avais Ouais. oublié qu'on avait dit ça. Ouais. Et c'est tour pont mat. Et la tour est imprenable, Du coup, faut c'est. se décaler là ou là et on va se reprendre cavalier E4. Ouais, elle est compliquée Cavalier. cette Ouais. position. Il n'y a rien de. Le pion en B6 est assez dur à valoriser. On a du mal à le pousser plus. De toute façon, il sera bloqué là. Après. Ouais. Ouais. Il y a une tour Ouais, qui va. elle est assez incertaine cette position. Il y a deux pions de plus pour les blancs, mais une grosse pression à tenir. Ouais, il a Bah, craqué. les ordis donnent l'égalité ici. Ça en dit quand même long. Quand on a deux pions de plus, dont un en B6, c'est qu'a priori, il y a assez de jeu. Non, Peut-être très dangereux. ça pouvait se finir par un perpétuel. Dur à dire, mais en tout cas, il y a une certaine pression. Ça c'est évident et qu'il n'a pas réussi à gérer, pas réussi à contrôler ses nerfs en tout cas. Ok, donc là, c'est le changement de situation. Changement de nature de la position en fait, changer d'une position d'un type de position très stratégique, passer à quelque chose de beaucoup plus tactique d'un coup. C'est souvent dans ces cas-là qu'on voit une gaffe. En fait, des joueurs qui, donc dans des cas complètement hypothétiques, hein, mais qui sont dans une position tranquille, ils vont louper des idées tactiques. Ça, c'est arrivé, je pense, dans les parties d'à peu près tout le monde. Ils vont louper des petites idées tactiques simples parce qu'ils ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de se dire que c'est tactique. Ils sont en train de jouer leur petit plan positionnel. Ils ne se concentrent pas sur le reste, en fait. Ouais, c'est Et comme un peu des c'est fois la même idée. quand on se fait mater dans une finale parce qu'on se dit c'est la finale, j'avance mon roi, de toute façon mon roi va Ouais, il y avancer a et le hop. sens du danger qui s'enfuit, ouais, bien sûr. C'est la même chose. Ok, donc on va voir une deuxième partie sur ce thème. Ouais. On enchaîne. Je vois qu'on est...
Pas trop large au niveau du timing. On a Ça bien, va aller. bien expliqué. Alors, où est-ce qu'on est? Hop! Alors la prochaine est assez courte, donc ça Oui, va. c'est vrai. Alors, la prochaine, c'est une partie à toi. C'est une partie de moi, oui. Plus récente que la première. Donc 2012, ouais, 5 ans plus récente. Ouais. Et Contre Didier Colas. voilà, j'avais déjà bien progressé. Donc normalement, le niveau était censé être meilleur, mais on va voir qu'il y a quand même des gaffes assez énormes qui vont être faites. Assez vite. Alors tout à l'heure, Donc c'était une... déjà dans cette slam que je connaissais plus ou moins, mais en fait, j'ai pas fait très attention aux ordres de coups. Et ici, j'ai joué un peu vite, j'ai joué le mauvais sens, en fait, simplement. Ici, il n'y a qu'un seul bon coup, j'ai envie de dire. Le seul bon coup, c'est de jouer E3, qui se donne la possibilité simplement de, sur des prends C4, reprendre du fou. Et toi, t'as joué cavalier C3. Moi, j'ai joué cavalier C3, qui ne se donne pas cette possibilité-là. J'ai dû jouer à tempo, hein, probablement. Pensant que, de toute façon, il jouerait fou G7 et je jouerais E3 et ça reviendrait au même. Et en fait, il a joué des prends C4, évidemment. Et là, c'est l'accident parce qu'on se rend compte que si je prends C4, ce que j'ai fait dans la partie, je perds le pion B2. Et si je prends la dame en B6, il reprend en B6 en ouvrant la colonne de sa tour et en menaçant B5 au prochain qui défendra tout le pion C4. Et du coup, une grosse pression à la dame, en fait, parce que les pions, ils peuvent continuer à pousser et c'est déjà très, très embêtant. Non, on n'a même pas E4. Donc ça va pas. Donc cavalier C3, une erreur qui peut arriver. Bon, c'était ma seule excuse, c'est que c'était au tournoi de Marseille, 2 rondes par jour, c'était la ronde de l'après-midi. Bon, Ouais, probablement un peu donc... fatigué, mais honnêtement, c'est quand même une grosse, grosse faute avec les Ouais, autres. non, mais c'est bien, on connaît les joueurs d'échecs. Quand c'est le matin, on dit que c'est passé le matin. Quand c'est l'après-midi, on dit que c'est l'après-midi. De Voilà, c'est ça. Il y a toujours un moment de la journée où on peut faire des gaffes, hein. toute C'est le façon... lendemain d'un coup. Dès qu'on a mal joué, c'était parce que c'était pas nous, hein, c'était pas de notre faute. Donc dépenser, alors voilà, donc sinon, bah c'est bien, tu vas te retrouver dans le thème. Un pion de moins Voilà. net. Voilà, donc gros pion de moins perdu. Et en À plus, noter bon, qu'on après peut tour pas jouer 6. là parce qu'il y a fou en F5. Le fou en F1 et en F5 est très bien placé, évidemment. Hop, j'ai tout effacé, génial. Hop. Tour C1, Alors tour pardon. C1, bon, défendu par le fou, c'est un peu bancal, mais en même temps, on se dit, j'ai envie au moins d'avoir un peu de jeu sur la colonne C, quoi. Et Un ça, jour j'avais tu un peu veux. anticipé son idée. Et donc, je sentais qu'il y aurait peut-être une pression à venir sur la colonne C. Mais bon, objectivement, ça fait pas plaisir. C'est pas le genre de coup qui fait plaisir à jouer. Et d'ailleurs, il aurait pu en profiter, justement, comme la tour est ici. Ici, il peut en profiter. Et Avec un coup pas facile à trouver quand même, pas facile à jouer en ouais. tout cas. Non, clairement, c'est pas le coup qu'on a envie de jouer, au premier abord, en tout cas. C'est le coup E6, qui est assez antipositionnel, parce qu'on vient de jouer G6. Enfin, on a joué G6 déjà, donc on n'est pas censé vouloir jouer E6 aussi. Mais en fait, il faut comprendre que les vrais problèmes viendront quand il y aura du fou B4 ou fou A3. Et les cases noires, évidemment, j'ai perdu le pion B2, donc forcément, les cases noires de ce côté-là peuvent souffrir. C'est assez clair. Donc aussi, c'était probablement le meilleur coup, mais bon, Ok, pas facile. vraiment un coup pas facile. Et il a joué vraiment le coup humain ici. Il joue B5, ouais. Qui, ben, du coup, ne donne qu'une seule vraie case à madame, parce qu'en C5, je me prends E6. Et je perds la dame. Enfin, Tu pas veux dame encore, là, il y a du mais dame E5, il y a des 7. t'arrêtes pas de te faire attaquer. Ouais, il va y avoir des problèmes. Hein. Fou B4, qui a des 5, par exemple. On a accéléré ses plans de E6, en fait, donc il n'y a pas de raison que ce soit bon pour nous. Donc tu reviens en B3. Alors Donc, pas ça le choix, il faut c'est... jouer dame B3. Ouais, il y a peut-être des joueurs qui auraient raisonné à l'inverse. C'est-à-dire ils se seraient dit, j'ai pas le choix, faut que je garde ma dame. Donc je pars avec ma dame et ils auraient eu encore plus de problèmes en vérité. Ah, là, il faut aller au moindre mal, j'ai envie de dire. Ici, moi, mon état d'esprit, c'est bon, j'ai perdu un gros pion. Ok. D'un autre côté, pour ça, il a quand même dû jouer B5, donc potentiellement, je peux avoir du contre-jeu sur le pion C6. C'est l'esprit. Après, si un jour il arrive à jouer C5 dans des bonnes conditions et échanger ce pion, bon, bah, on est d'accord, ça sera un énorme pion de moins et je suis probablement foutu avec ce genre de pion. Pour l'instant, il a pas mal de problèmes pour le faire. Ce sera dur. Il Mais a pour pion l'instant, il B5. voilà, il a un peu de mal à réaliser ça. Donc il y a des petites compensations, on va dire. Et t'as sorti deux pièces, enfin une pièce de plus que lui, quoi. Enfin deux pour l'instant, mais c'est à lui de jouer, quoi.
Ouais, ça a dû jouer. Et Ok, il mon joue développement ça. n'est pas si facile, en fait. Ouais. C'est ça qui est un peu embêtant. Là, c'est intéressant le coup, peut-être qu'on peut le faire chercher, parce qu'on est obligé de chercher quelque chose, justement, on a un pion de moins. Donc on peut Ouais, essayer qu'est-ce de qu'on faire peut jouer chercher ici avec les. ce coup et le suivant, on peut leur faire Ouais, les chercher. deux Alors coups sont intéressants, bien sûr. essayer de trouver. C'est un peu grâce à ces deux coups que tu arrives à le pousser un peu dans ses Ouais. retranchements. C'est ça, elle perturbait en tout cas. Alors, à vous d'essayer de trouver un coup intéressant pour les blancs. On a un pion de moins, donc on cherche quelque chose. On ne peut pas Ouais. juste faire des petits coups en espérant que ça va bien se passer, parce que lui, il va développer. Et à la fin, il aura vraiment un pion supplémentaire. Alors. Non, j'ai déjà vu plusieurs choses pas top, on va dire. Ouais. E4, je pense que ça marchait pas. Et Non, B4, ça fixe la faiblesse, mais ça se fait une faiblesse aussi, donc j'aime pas trop. Ouais, on va se faire attaquer sans doute. E Et 6 puis ou on peut E5, je sais même pas. peut-être J'avais donner de la plus. force au coup à Ouais, 5. bien sûr. Hein. B4, ça l'aide à simplifier un jour, en fait. Le pion, c'est Alors bien important. joué Tristan, Simon, Ethan qui s'est bien repris après son erreur Ouais. initiale, qui s'était corrigé. Et c'est tout en fait. C'est tout. Alors, cavalier E5 qui est proposé. C'est vrai qu'on attaque le pion, mais on suppose qu'il va échanger. Ouais, il peut échanger, bien sûr. Il peut aussi peut-être jouer pour se développer rapidement, mais il peut a priori échanger et venir en D5, hein. Voire en D... Enfin, ça dépend de quoi il reprend Oui, déjà, mais. oui. Non, mais là, déjà, Mais c'est vrai qu'il aussi. n'y a pas l'air d'avoir un problème spécial pour les noirs. Non, non, je crois que j'ai du mal à le croire. Il y a aussi cavalier H5. Il y a trop d'échanges possibles. Ok. Donc Alors. E4 va pas. C'était proposé beaucoup de fois. Ouais. Mais je comprends pas l'idée sur cavalier prend. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à la fin, le fou défendra le pion C6, donc il n'y a pas tour prend C6. Donc Oui, je pense alors que peut-être que c'est ça c'était l'idée, l'idée, je ne sais pas, mais ouais. Le mais le fou problème, c'est que protège. du coup, voilà, on a saboté notre structure en plus en jouant E4. On a perdu un deuxième pion, et maintenant D4 est faible. La case D5 est aux mains des noirs, et ça va pas du tout. Donc il y a des deux, Bien joué. potentiellement pour jouer E4, pourquoi pas. Pas facile comme coup parce qu'on rejoue une pièce qui est déjà sortie. Mais là, Ouais. on a une menace sérieuse de mettre deux pions dans le centre. Donc, C'est ça. c'est quelque chose. C'est quelque chose Et il et... va pas parer cette menace. Bien joué, Nils, Akessa. Alors, il joue fou G7. Bon, logique, hein. Il y avait peut-être quelque chose d'encore plus fort, mais bon, fou G7, très logique. Et maintenant, j'ai pas joué E4. Alors la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe sur E4, quel est le problème du coup E4. C'est pas évident à voir. Mais pourquoi est-ce que ce coup-là est finalement pas l'idée? Alors, est-ce que vous voyez pourquoi on ne peut pas faire le coup logique E4? Quel est le problème? Carl Sanchez, On répondra on après, verra Carl tout à Sanchez. l'heure, ouais. Alors, c'est ça, Fabrice. Ethan. Voilà, il s'agit de B4, la contre-attaque. La contre-attaque, et là, on est obligé de prendre le fou, sinon on va perdre ce pion 4 qui était Ouais. protégé deux fois. Et on va se Après rendre compte que les quoi? pièces blanches, en fait, sont géométriquement mal placées à cause à la fin de cavalier D5. Sans cavalier D5, à la Peut-être, limite, ouais. les blancs seraient contents, mais cavalier D5 fait très mal. On est Ça obligé de force tour protéger le F3 qu'on n'a absolument fou. pas envie de jouer, et du coup, ils Ouais. reprennent en F5. Et mauvaise structure, des pions faibles, un cavalier en D5 super. Le pion en B3 qui peut se faire attaquer par tour B8. Enfin bon, ça fait beaucoup de. Ça fait trop. Ouais. Ok, on revient. Alors, il y a eu fou G7. Donc on peut pas faire Fou G7, E4, ouais. c'est vrai. Et maintenant, c'est à vous de jouer de nouveau. Parce que, bah du coup, forcément, on vous pose la question, c'est normal, parce que on a joué cavalier D2 pour faire E4, on peut pas faire E4. À cause de la variante qu'on vient de montrer. Du coup, B4. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est à vous de jouer. Alors Tristan et Ethan qui dégainent rapidement. Il propose un coup logique. Oui, qui n'est pas mauvais, je C'est peut-être pas pense. mal, ouais. Peut-être pas mal. Mais.
En fait, ça va manquer un peu de punch, je dirais. Un coup, donc c'est le F3 qui est proposé, hein. Je pense qu'un coup comme ça manquera d'un peu de punch. Par exemple, alors je sais pas trop si ça marche, mais déjà il y a des idées de jouer cavalier H5 qui Ouais. attaque aussi le pion D4, qui force fou E3 qu'on n'a pas très envie de jouer. Ah ouais, non, là Mais ça bon, à la m'étonne. limite, cavalier H5 est discutable parce qu'on se met en position de se prendre G4. Tu me têtes ça? Donc voilà, peut-être quelque chose comme ça, et bon. Ah, ok, peut-être maintenant on Il essaie de refaire l'idée. y a des compensations, mais il y avait déjà des positions à l'origine qui étaient déjà acceptables, mais ça reste un pion et pas vraiment de jeu énorme, on va dire. Et ça peut peut-être être cavalier D5, je sais pas si c'est Ça pourrait être cavalier D5 acceptable. aussi, ouais, je me posais la question, mais ouais, peut-être. Parce que finalement, après l'échange, on est un peu obligé de jouer E3, en fait. Je pense pas que E4 soit très Ouais. conseillé, parce qu'à la fin, D4 restera faible. Je sais pas trop, en Compliqué, fait. ouais. Un peu E4, il y a compliqué. B5 en prise, mais ça perd le pion D4, c'est dur à dire. C'est dur à évaluer. Il y a des contre-chances, mais... Ah, j'aurais laissé, Ah, tu j'aurais joues joué ça. fou 6, non? D'accord, Ouais. ouais. Pour laisser D4 faible et... Ah ouais, Et sinon, tu perds une pièce, en fait, si tu prends E4 d'abord. Tu te fais enfermer le fou. ah, mince. Ouais, Ok. il y a pion prend et H3 et fou 6, D5. Ou fou G4, fou H5, G4. Ouais. Ok, bon, on est un peu loin du sujet. Il y avait autre chose qui était proposée, c'était B4 de nouveau. Ça a été insisté sur B4. C'est vrai que Ouais, ça mais empêche B4. B4, mais. C'est pas inspirant, B4. Ouais, t'aimes pas. Non, j'aime pas fixer un pion comme ça en B4, sachant que il sera peut-être faible, on ne sait pas. C6 va peut-être tombera, mais à ce moment-là, ça laissera B4 faible. Ça m'inspire pas comme coup. Ok. Et cavalier D5 encore, hein, je ne sais pas trop ce qui se passe sur cavalier D5. Et finalement, ce pion en B4, si jamais ça s'échange, ça me permettra peut-être de jouer cavalier B6, cavalier C4. Et... C'est gênant, ça. Hein. C'est un peu embêtant, on a toujours ce pion en prise. Ouais, Ok. E3, on prend un petit temps pour jouer A6 et ensuite on amène le cavalier en B6 puis C4. Alors, on revient. Donc, est-ce que ça a été trouvé? Ouais, il y en a. Bah, il y a Carte and Chess, hein, qui le crie sous tous les Alors, toits lui, depuis il tout voulait à jouer au l'heure. coup d'avant. Ah, malheur. Non, mais ça a été trouvé aussi, ouais, depuis. Ouais. Par Constantin, au moins. Oui, c'est au moins. Fitches, Constantin, G4, ouais. Donc l'idée, Donc c'est de jouer full G4 G2. ici, qui est plus efficace que G3, parce qu'en cas de G3, ben, on donnerait du temps aux noirs pour s'organiser pour défendre. Typiquement, on leur laisserait le temps de roquer, de jouer tour C8 ou C5, plutôt tour C8 parce qu'on est cloué. Et voilà, ils arrivent à s'organiser, donc il faut essayer d'empêcher ça en fait. Et donc, sacrifice de pion pour absolument accélérer le développement. Et poser des problèmes immédiats. On va voir que c'est très difficile ensuite pour les noirs de défendre leur aile dame en fait. Donc Ok, donc. on agresse immédiatement les noirs et on leur demande comment ils vont défendre leur pion. Donc cavalier prend très logique, attaque le pion D4 et qui en plus attaquerait ensuite le pion F2. Donc on ne peut pas tout donner non plus. Donc Donc tu un joues un petit temps pour chasser la pièce, H3. petit coup intermédiaire, il revient. Alors s'il allait Force le cavalier à là, revenir. de toute façon il menaçait pas fou prend D4. Bah du coup oui, ensuite c'est qu'il n'y a Ouais. plus fou prend F2 qui est... Et en plus, oui, effectivement, il y a le cavalier en H6 en prise. Je voulais Donc ça juste fait beaucoup de montrer qu'il concessions. était en prise, ouais. Donc, il revient en F6. Et donc ce coup de cavalier... En fait, on se rend compte que depuis qu'on a fait G4, on a juste perdu le pion G, joué H3, c'est le même trait, c'est à nouveau au blanc de jouer. Donc on a en fait juste perdu un pion, mais par contre, on a la possibilité de jouer fou G2 immédiatement. Et ce petit tempo, en fait, il change tout dans la position. Parce qu'il n'y a pas le temps pour des petits rocs et tour C8. Si c'est tour A, C8, enfin, la seule tour qui vient ici en C8, il y a cavalier prend B5, clouage. Et attaque A7, attaque C6. Donc ça fait trop de problèmes. Et c'est ce petit tempo, en fait, qui change tout. Donc même si on n'a pas l'impression d'avoir fait grand-chose à part perdre un pion et jouer H3, ce petit tempo perturbe énormément les noirs. Et il va pas réussir à trouver quelque chose qui lui permet de rester mieux ici. Donc comme il a deux pions de plus maintenant, Didier, mon adversaire, il a essayé d'en conserver au moins un. Ici, probablement que le meilleur était de roquer.
De redonner 1. Redonner même 2 en fait, parce À qu'il perd 2. C6 et B5. Oui. Mais l'idée à la fin, c'est que donc tour C8, cavalier prend B5. L'idée à la fin, c'est que bah, mine de rien, les pièces blanches sont un peu mal placées, hein. Cavalier D5, par exemple, on peut jouer là-dessus. Le fou est en prise, le fou C6 est cloué, le roi blanc a paroqué. Et la structure est légèrement mieux pour les noirs qui ont un îlot de pion en moins. H3 est pas faible. En cas de petit roc, il y a H3 qui tombe. Ouais, Donc H3. tout ça, c'est des petits éléments qui rendent la position blanche un peu désagréable. Et il aurait conservé l'initiative ici, en tout cas. Alors là, c'est la Il lutte pour aurait perdu l'initiative. ses deux pions. C'est-à-dire que c'est le genre de variante que Maxime aurait montré. Voilà. Ouais, je pense, ouais. Que Chercher. ici, lui, mon adversaire, il a choisi un truc où il reste passif en gardant le pion de plus. Il valait mieux, tant pis, rendre tout le matériel, mais au moins récupérer l'activité. Il joue cavalier H5. T'as joué fou Et H2. c'est très difficile, en fait. C'est très difficile, ce genre de décision, de se Ouais. dire, on a deux pions de plus, tant pis, je les rends et j'aurai une certaine initiative à la fin, peut-être. C'est des genres de décisions très difficiles qu'il n'avait pas envie de prendre. Lui, il était dans une situation où il avait un pion de plus. Il voulait s'y accrocher, en fait. Il ne voulait pas changer de situation. Donc il prend Donc, ça. H5 fois H2, j'ai 3 pions de moins, mais ça va dégringoler un petit peu maintenant. Donc t'en reprends un déjà. J'en T'attaques le prends un. fou. Donc évidemment il peut pas prendre parce qu'il y a sa tour derrière. Il y a un Donc peu. Je menace il fourchette revient. en C7. Ouais, Donc, oui. Donc il obligé empêche. Ok. d'empêcher la fourchette. Et tu prends. J'ai pris alors de la tour et non pas du fou, parce que bah, comme tout à l'heure, si je prends du fou, tour C8, clouage. Donc on veut embêter, on veut éviter ça. Et petit roc, on perdrait le pion H3. C'est un peu J'imagine que t'as désagréable. pas Donc envie de faire ça et de le laisser faire roi prend et de bah, connecter ses et là, pions. j'ai un pion de moins en plus, hein, du coup, vu Ouais. qu'il m'a piqué le pion D4 entre-temps. Et oui. Donc là, il s'en sort, il a la paire de fous, pion de plus. Hein. Donc on ne veut pas se clouer tout seul, on veut juste donner des idées de tactique, tour prend C6, bien plus fort. Donc Il prend. menace quoi? Menace des tours Peut-être ça, prend ouais. B6 un petit peu, hein. Un petit Cavalier peu, reprend, ouais. défend, mais bon. Ouais. Comment c'est bon, c'est très logique de roquer de toute Avec de façon, l'échec c'est derrière, ça pas. devrait marcher. Voilà, peut-être ça marche Bon, il dans un rock, ok, sens. c'est normal. C'est très logique de roquer. Cavalier C4 pour activer les pièces avant tout. Donc des belles pièces quand même, ici, à part la tour H1. Ouais, d'un coup, en fait, les pièces blanches se retrouvent déjà inattaquables. Il y en a quasiment aucune qui peut être attaquée par une pièce noire et très active. Donc, il faut juste réussir à bien négocier ça. Mais en fait, donc la partie n'a pas duré très longtemps après. Il y a eu Cavalier C7, ouais, tour C8. On a pris donc la paire de fous de ce côté-là et il y a eu Roque propose nul. Donc la partie, elle se finit un peu en queue de poisson, j'ai envie de dire. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ben, les noirs ont leur pion de plus, donc on a du mal à croire qu'ils puissent être en danger. Et en même temps, les blancs ont des meilleures pièces. On pense notamment aux deux fous qui balayent bien l'échiquier. Et la possibilité de jouer tour A1 qui attaquera le pion A7 assez rapidement. Alors, c'est pas suffisant pour être mieux, hein. Objectivement, c'est encore très légèrement plus facile à jouer pour les noirs. Mais clairement, s'ils repèrent un pion, je vais finir par être mieux avec ma paire de fous. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Donc, c'est plus ou moins équilibré. La partie s'est finie par la nulle. Les deux, on était assez satisfaits tous les deux. Lui, il pensait que son avantage avait complètement disparu. Moi, j'avais été mal toute la partie, donc j'étais content de m'en sortir comme ça. Ok. On va voir que ce n'est pas l'état d'esprit de tout le monde, d'ailleurs. On Ouais, va voir ça dans la prochaine partie. exactement. Mais voilà, juste, les blancs s'en sont sortis, nul, bon, très bien. Allez, on montre le récap de ce deuxième chapitre. Donc, bah, je crois qu'on, je sais pas si on l'a montré tout à l'heure, oui. Dans les situations inférieures, un des moyens de s'en sortir, c'est de changer la nature du désavantage. Donc, c'est là où l'adversaire a du mal à s'adapter à la nouvelle situation. C'est Il ça. pensait qu'il était peut-être tranquille avec sa situation et C'est au niveau du puis cerveau, en fait, on a beaucoup de difficultés à dire, ben, d'un coup, c'était très tranquille. C'est souvent dans ce sens-là, hein, d'une position très tranquille à une position un peu plus bordélique, un peu plus compliquée.
On a dû... C'est des transitions de partie qu'on a beaucoup de mal à gérer en général. Ouais, donc c'était surtout quand t'as joué Cavalier D2 là avec Lydie E4 et après G4 qui l'agresse quoi. G4 qui est très surprenant, je pense, Ouais, on en s'y attendait partie. pas, ouais, c'est vrai. Surtout que Cavalier prend, attaque le pion D4 et tout ça n'a pas l'air impressionnant en fait comme coup. Mais c'est perturbant, je pense. Ouais, on se sent un peu sur la défensive. Alors, on continue avec le champion du monde. Alors, c'est l'occasion peut-être de citer ce très grand tournoi qui va commencer demain avec 8 des 10 meilleurs joueurs du monde. Ça s'appelle le Magnus Carlsen Invitational. C'est lui qui l'organise, hein, qui a trouvé les fonds pour ce tournoi. C'est un grand tournoi rapide sur Internet qui va durer de demain jusqu'au 2 mai. Donc, un très long tournoi. Une espèce de marathon Ouais, il y a des de. phases de groupe, puis c'est des matchs entre. Dans la phase de groupe, il y a des mini-matchs entre chaque joueur. Enfin, le format est fait pour que ça dure assez longtemps. Ouais. Voilà, donc à suivre pour ceux. Si vous jamais vous ennuyez, bon, moi, je pense pas, je vois pas trop Et comment vous pouvez vous ennuyer faut avec tout ce préciser qu'il y a, mais. qu'il y a Maxime Bachelard qui joue Voilà, juste ce tournoi, donc exactement. c'est Donc le vraiment un meilleur. Français parmi ces 8 meilleurs joueurs du monde. Ouais. Notre numéro 1 fétiche, Maxime Vachier-Lagrave, qui a mis parcours du tournoi des candidats, le tournoi qui va déterminer qui va aller affronter Magnus Carlsen pour le titre mondial. Et premier ex aequo avec le Russe Nebomniachtchi. Voilà, et donc ce tournoi exhibition, on peut dire, mais il joue pas que pour le plaisir, il y a des beaux prix en jeu. À partir de demain, à suivre sur Internet. Puis il faut bien qu'il s'occupe, hein. Ah ouais, il s'ennuie, il s'ennuie. Ouais. Voilà, alors Magnus Carlsen, on le retrouve dans cette partie contre Hikaru Nakamura. Nakamura qui, je crois, va jouer aussi ce tournoi qui commence demain. Oui, dedans, il fait toujours partie des références du jeu en ligne. Ouais. Du jeu en ligne, du jeu rapide, du blitz. Et là, il avait. Alors, il a un score exécrable, Nakamura contre Carlsen. Je sais Ah, même. surtout à cette époque-là, hein, il en avait Ouais. pas, je crois qu'il en a gagné une depuis, Il en a mais peut-être gagné là, une, mais c'est terrible. et clairement, il était dans le dur. Donc psychologiquement, il part déjà avec un Ouais, petit un problème. déficit, ouais, c'est clair. Donc Et ça met un peu, ouais, effectivement, quand t'as en joué lumière les problèmes qu'il va y 15 avoir. fois ou 20 fois contre un joueur que t'as jamais réussi à battre, bon, tu t'assois, tu essaies d'être optimiste, mais voilà. Allez, donc et là, il avait l'occasion. Il avait l'occasion de Ouais. rompre. Ah, elle n'a pas dû lui faire du bien, celle-là. Ça l'a pas aidé pour la suite. Alors, il joue un système très agressif, F3 contre la défense nimzo-indienne. Il essaie de prendre le centre immédiatement et Voilà, c'est le coup c'est que dans vous les aviez lignes. proposé tout à l'heure d'ailleurs sur le chat. F3 pour Ah, prendre le ok. centre. Vous étiez en avance. Donc, A3, fou E7. D'habitude, on voit plutôt fou prend. Ouais, c'est plus commun de faire fou prend C3, mais c'est des lignes très différentes en fait. Beaucoup plus solides, on va dire, pour les noirs. Et d'ailleurs que Magnus a repris récemment plutôt dans ses parties. Il n'a pas rejoué la ligne qu'il a fait dans la partie en tout cas. Ok, fou E7, gardez pas forcément super souvenir de cette partie. Pion Voilà, c'est ça, elle est pas facile à jouer, hein. E4, prise, prise. Alors là, déjà, on se rend compte qu'on est un peu étouffé par le centre blanc d'entrée. Ouais. Limite, il menace E5 et on sait pas trop où aller avec le cavalier. Donc il faut réagir forcément et la réaction c'est soit C5 soit E5. Les deux existent. Dans la partie, il a choisi E5. Pour ceux qui ont suivi les parties des candidats, il y a une partie Caruana-Alexienko qui avait continué par C5. D'accord. À la première moitié de candidats qu'il y a eu Ah oui, tu l'as au mois de rajouté, mars. tu l'as Ouais. mis dans la base, d'accord. Super. Pour ceux qui s'intéressaient à cette partie qui s'était mal finie pour les Noirs d'ailleurs, il avait été assez vite en difficulté, Ouais, belle mais victoire de faut Caruana. l'avoir. Avec les Et blancs. E5, c'est l'autre façon de réagir. Ça empêche la poussée du pion des blancs en E5, en fait. Ça empêche que ce soit le pion blanc qui avance. Alors, il n'a pas envie de prendre. Évidemment, non. Parce qu'on échange ici. Donc, s'il prend du cavalier, il repère son pion. Et s'il prend du roi. Le fameux cavalier G4 avec une double attaque. On menace le pion et une fourchette. Donc Pas là, très très classique. bien pour les noirs. Du coup, il pousse. Oui, c'est la seule réaction, la seule bonne réaction. On ne peut pas se laisser prendre non plus, ça éclaterait le centre. Et le fou rejoue. Alors on dirait que c'est pas trop ce qu'il veut ce fou. Un coup, il fait fou B4, fou E7, fou C5. Là, quand même, a priori, il estime qu'il a trouvé la bonne diagonale. C'est de là, il va empêcher le roi blanc de roquer. Il va peut-être, d'ailleurs, il va le faire dans la partie, s'installer en D4, d'où il pourrait être soutenu peut-être par C5.
Bon, on donne quelques spoilers de la partie, mais on comprend un peu, on commence à comprendre ce fou qui a déjà bougé 3 fois dans une position, et là, il n'était pas obligé. Sur A3, il était obligé de bouger. Ce coup de fou E7, C5, il a rien de forcé, c'est juste qu'il se replace. Fou G5 petit roque, allez on avance parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie. Cavalier F3, fou G4, H3, prise, prise. Donc il pique ce cavalier pour s'installer en D4 plus tard. Le fou. Cavalier BD7, il protège les noirs, les blancs pardon, qui grand roque. Fou D4 justement. Le fou est très puissant ici, donc Nakamura, plutôt que sortir son fou, préfère essayer de se débarrasser de ce fou agaçant. Et là, alors, premier point intéressant déjà. Alors, je sais pas à quel point il avait préparé cette ouverture, Magnus. Donc, c'est un peu dur de dire qu'il est déjà mal, en fait. Je veux pas critiquer sa préparation. Je connais un peu ses préparateurs, en plus, je qui suis sont fort de pas qui temps. sont pas mauvais. Mais ici, bon, il est probablement un peu sous pression, ça c'est clair. Et il aurait dû déjà immédiatement changer la nature de son désavantage et sacrifier un pion pour récupérer des cases et de l'activité. Et ça, il aurait dû le faire en jouant tour 8, probablement. C'est probablement meilleur et beaucoup moins statique, beaucoup moins stéréotypé que ce qu'il a fait dans la partie. Donc donner ce pion, histoire de récupérer la case E5 qui est très importante. Et au prochain coup, il va installer le cavalier, ça va lui donner un peu d'air pour ses autres pièces, peut-être faire C5 et poursuivre avec B5 pour ouvrir le roi des blancs ensuite. Et on récupère du jeu en tout cas. C'est un pion, mais le centre est sous pression. Le pion E4 est faible. Il y a beaucoup de Ouais, puis contre obligé de faire un coin un peu bizarre avec son jeu. fou et sa tour Voilà, qui c'est est ça. coincée. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, il fallait probablement sacrifier un pion ici. Ce qu'il a joué, bah, c'est dur de critiquer, hein. Il a joué C5 qui défend son fou. Mais du coup, en fait, Naka va le laisser là. Il va, ok, très bien, il y a un fou en D4, mais du coup, il va attaquer plus rapidement à l'aile roi et ça va venir assez vite. Donc il prend pas parce qu'il veut pas ouvrir la colonne B, hein, c'est ça? Oui, là, clairement, il veut garder la position de son roi fermée au maximum. Et en plus, même s'il gagne un pion, ça laisserait un pion E4 très faible. Un peu comme tout à l'heure. Voilà. Ok. G4, A5. Bah, c'est des rocs opposés, chacun attaque de son côté. Donc Voilà, on avait c'est déjà vu très ça logique. sur une masterclass. Tour A6, façon d'activer la tour. De défendre F6 aussi au passage. Un coup qui défend et qui attaque en même temps. Cavalier G3, attention, cavalier qui veut bondir soit sur F5, soit sur H5. Ouais. En plus, il peut défendre avec sa tour latéralement. Oui, c'est la vraie idée en fait de KG3 à ce coup ici, à ce coup précis, c'est qu'il a besoin d'un défenseur du pion B2 sur tour B6. Ok. G6 empêche. Ouais, très discutable comme coup, parce qu'évidemment, il n'y a plus de fou de fianchetto. Enfin, le fou est en D4, il ne reviendra jamais en défense. Donc pour ce fou-là, c'est trop tard pour la défense. Donc ça fait quand même des gros trous. Et bon, on ne peut pas dire que G6 est un bon coup, il va le payer très cher quand même. H4, les Nakamura qui passent à l'attaque. Et du coup, justement, le coup G6 donne un point de rupture plus rapide encore. Un gros levier là Donc, qui va faire mal. c'est ouais. Bon. Toujours di difficile de critiquer un champion du monde, Ouais, parfois, ouais, quand même. mais. Et il l'avait bien compris hein, que H5 arrivait, mais bon, il l'a fait quand même, mais bon. Ouais, c'est un choix. Tour H2, Dame A5, fou D2, allez, on avance. Dame C7, pion Ouais. G5, cavalier E8. Donc le Donc cavalier qui va venir en D6 peut-être à un voilà, toute moment. cette série de coups, l'attaque se développe des deux côtés, chacun place ses pièces. C'est pas vraiment Le thème. ce qui nous intéresse de la partie, donc simplement on La l'avance. thématique intéressante. Ouais. Donc là, tour DH1, bon, complètement logique. Même s'il pouvait peut-être aussi prendre tout de suite en G6. Ouais, tour d'H1, il peut pas être un mauvais coup, hein, D'habitude, on clairement. aime bien faire ça, c'est-à-dire d'abord doubler ou même tripler et prendre plus tard. C'est là où c'est plus Voilà, c'est ça. puissant, souvent. Donc, alors là, peut-être une première question. Vous avez les noirs, vous êtes mal. Qu'est-ce que Hein. vous faites? Pas très Vous agréable ici. êtes en Hein. train de vous faire attaquer assez méchamment.
Alors Nakamura, PV qui va pas vous louper en plus, donc Ouais, Nakamura qui attaque pas mal quand même. Donc qu'est-ce que vous faites avec les noirs? Tristan qui dit c'est dur à croire que Nakamura risque de perdre cette partie. Ah, et cette partie, elle est Ah bah assez, lui-même, assez connue, je dirais, ouais. mais Lui-même il y croyait ouais. pas. Hein. Ouais. C'est un des plus gros loupés qu'il y a eu À haut niveau en partie, parce que depuis ouais, dans les quelques parties que années. Magnus a pas perdu, c'est peut-être celle où il était le plus perdant. Hein. Ouais, et il y en a pas Donc ça mal lui aussi arrivait de depuis. sauver des positions compromises, mais là. Non, mais là, c'est vrai que c'est une des pires. Une des pires, donc. Ethan qui est présent. Yoka également. Ouais. Si vous regardez en différé, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher le coup des noirs. Mais pour le direct, on attend vos réponses sur le chat. Et alors, Alors, il y a du cavalier alors, pensée 4 qui est proposé, ouais. il y a une autre, ouais, voilà, une autre proposition qui est pensée 4, c'est il l'a fait en sens inverse, si on peut dire. En fait, c'est plus forçant de commencer par fou prend B2, comme ça a été proposé. Et après, Parce cavalier pensée que 4. Ouais. le problème, c'est que ça vient très vite de l'autre côté. Donc, peut-être que si on fait les choses en sens inverse, cavalier prend C4, et ensuite seulement prendre en B2. Mais en fait, il n'y aura toujours pas Peut-être trop d'échec, il n'y tard. aura toujours pas de menace, donc on sera mat, la partie sera finie. Il n'y aura pas de deuxième chance. Peut-être, je ne sais pas si on prenait une fois en Ouais, C4 pour que la peut-être. tour défende B2. Peut-être ça ne fait pas de mal. Mais en tout cas, on va être mat. Si on reprend, ou si on... enfin, tout, il n'y a rien qui va. Donc, alors que quand on commence par fou prend B2, le fou menace de rebouger sur échec, donc il n'y a pas le choix. Les blancs, ils doivent commencer par récupérer la pièce. Donc c'est quand même plus forçant de commencer comme ça. Et Après, il y a eu maintenant, cavalier prend ça. C4, récupère la pièce. Et on n'a pas encore de récupérer la pièce, effectivement. Pour l'instant, on a sacrifié la pièce. Donc première étape, on change un peu la nature de la position. Les blancs ne sont pas les seuls à attaquer, il faut aussi qu'ils défendent. Alors là, Donc ça va pour l'instant, la tour défend de justesse. pour l'instant, c'est effectivement défendu. Mais Cavalier. il y a d'autres menaces. Cavalier prend A3, effectivement. On peut rajouter des attaquants aussi avec les blancs. Il y a plusieurs choses, on va voir ça. En tout cas, comme il n'y a pas de menace vraiment gagnante immédiatement pour les noirs, les blancs ouvrent leur jeu. H prend G6. Complètement logique. Et maintenant, Alors il là, c'est à vous faudrait de jouer de nouveau. trouver la meilleure idée pour les noirs. Voilà, c'est pas évident. Mais on attend vos réponses sur le chat. Que faire avec les noirs? Bah, voilà, on vient de se prendre H prend G6. On n'est pas au top. Qu'est-ce qu'on On fait? n'est pas au top. Alors, cavalier prend A3 échec proposé. J'ai peur que ce soit juste un échec. Et le problème, c'est que le roi se décloue, attaque le cavalier n'attaque plus le fou. Ah, il va faire roi à 2, hein, simplement. Ouais. Ça fait pas grand-chose qu'il prend à 3. Hein. Alors Simon, comme Pierre, qui veulent faire F prend. Alors c'est vrai que F prend, c'est mieux que H prend. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, si on doit choisir entre les deux, effectivement, on fait F-prend, mais Dame 6 échec fait très mal, en fait. Ouais, ça, c'est un problème. Si on met une pièce Et sur F7, si... on se fait Ouais, c'est prendre. ça. Et si on Quitte se à échanger décale... les dames, hein, ça... Et là, je sais pas, soit tour prend H7 est aussi possible. Hein. Peut-être ça fait pas assez, ouais. Parce qu'on va perdre... Non, c'est peut-être pas bon. C'est Okay, si peut-être on pas fait bon, mais... ça, ça a l'air pas mal déjà, mais à ce tour prend, je suppose qu'il va faire tour F7. Et qu'est-ce que ça fait exactement? Ah, il y a tour prend H7, dame 8 et KF5 mat. Ah, c'est beau ça! Joli. Très joli mat ici pour les blancs. Très beau tableau de mat. Ouais, joué. Donc F prend, c'est pas top. Ok, il y a du dame B6 qui est proposé, du tour prend Oui. B2. Non. Pas tour prend B2. Tour Non. prend B2, tour prend B2, et ça détourne effectivement la tour H2. Donc Mais on on peut échange être trop de satisfait pièces, de on a une ça, pièce de moins en mais. fait. On a une pièce de Ouais, et moins. puis alors tu peux même prendre en Et H7 oui. d'abord, ou même laisser le cavalier faire dame H. Ah non, peut-être pas dame H5. Ah, tu veux carrément mater, ouais. Ouais, je voulais essayer de Ouais, mater, bon, on mais peut F faire prend ça, ça a l'air G8. assez puissant. On va enchaîner peut-être dame Ouais, F3 d'ailleurs. Ou dame quelque part, bon ok. Donc dame ouais. G7, B6. G7 aussi fait très mal. Ouais. Ouais, dame B6. On attaque. On attaque, on n'a pas de temps à perdre. On vise B2, refaire tour prend B2, mais en force. Ouais.
Et ça peut éventuellement défendre aussi un petit peu le roi. Hein. Elle peut passer en G6, par exemple, cette dame. C'est pas que pour mater. Donc un coup multifonction. Voilà. Donc il cherche pas juste à défendre. Hein. De toute façon, il a bien compris que s'il faisait que défendre, il se ferait mater quand même. Donc il cherche la contre-attaque. C'est la survie par la contre-attaque ici. Donc G7, le fameux G7 que tu citais juste avant, il le tente ici. Ouais. Plutôt Alors, intéressant. l'idée de G7, c'est de garder un pion par ici, empêcher en fait les noirs de pouvoir reprendre d'un pion qui pourra permettre des défenses. Un peu, c'est pas évident à cerner ce genre de petits coups de pion G7, mais c'est ça l'idée en fait. Ah bah là on sent que c'est presque échec et mat en force, hein. Ah, c'est très très proche, ouais. Donc tour D8, il fallait bouger la tour. Pour l'instant, prendre en B2 faisait pas grand-chose, donc il attend. Ouais, à noter Et qu'il pouvait bien sûr pas prendre ce pion parce qu'il allait se faire couper en morceaux par les tours là. ouais, on Il sait allait se faire mat. mater bientôt, ouais. Voilà. Donc tour D8. Tour D8, il a laissé. De toute façon, il ne peut pas défendre son fou B2, donc il continue l'attaque. Ouais, alors il y aurait eu au pire peut-être. Ah bah non, il n'y a rien. Dame B2, tour prend B2. Ouais, Donc, non, ça va Dame pas. H4, il part à fond sur l'attaque menace mat en 1. Voilà. Donc il faut commencer à détourner au moins l'attention. Donc cette fois-ci, il prend le fou en B2. Ok, tour prend. Donc évidemment, il peut pas prendre Ouais. la tour, sinon c'est mat. Voilà. Maka avait évidemment anticipé ça. Il avait Prévu roi 1. le coup de réserve roi 1 et il n'y a pas d'échec satisfaisant. Ah, au Donc, contraire, non. Malheureusement, sacrifier la c'est la tour. tour en H2 défend les mats. Donc, Donc, ok, on n'avait pas de. point H2, et le fameux coup dont Et. tu parlais tout à l'heure, il Bah oui, parce que revient. maintenant, là, il faut défendre absolument le pion H7, sinon il y a mat en 1. Hein. Ouais, Il n'y a pas vraiment il n'y a plus de d'autre contre-attaque échappatoire. Donc. là. On est coincé avec le roi, ouais. Ouais, En plus, il y a le cavalier ça va qui peut pas. venir en plus, donc non, non. On défend. Il n'y a plus d'échec. Donc là, il fait un nouveau plan de défense typique, Magnus, c'est qu'il essaye de trouver le seul truc dans lequel il n'y a pas de gain évident. Ça, c'est quelque chose d'hyper important quand on est très mal, c'est de garder une position où il va pas y avoir de gain trop facile pour l'adversaire. Il faut essayer de lui faire trouver les choses les plus difficiles possibles. Alors effectivement, Tristan qui dit sur le chat, ça fait peur, cavalier H5. Oui, c'est vrai que la position fait peur depuis tout à l'heure, hein. Mais comme dit Ouais, ça fait Adrien, un moment, on essaye de survivre. Voilà. Alors je crois que je t'ai perdu, Adrien, est-ce que tu es toujours là? Ah, alors. J'ai perdu Adrien. Est-ce que tu es de C'est bon, c'est retour? là? Ouais, je suis revenu, désolé. Et coupure de son. Coupure de son, ça arrive. Mais on est de retour. Alors, je sais pas comment c'est pour les gens, mais moi, je ne t'entends plus, Sylvain. Ah, alors, maintenant j'entends Adrien, mais c'est lui qui m'entend plus. Ok. Je vais faire ça. Ah, les gens entendent Sylvain, moi, j'entends plus rien du tout. Et ça. Ah oui, c'est original comme bug. Si je fais ça. Alors, est-ce que tu m'entends? Ah, c'est bon, Ah, t'es ok. Ouais, revenu. on a eu une double coupure. D'abord, c'est moi qui t'entendrai plus. Après, c'était toi. Chacun son tour. Ah, ok. Bon, on est revenu. Désolé. Voilà. Oui, vous nous entendiez, effectivement. Mais nous, on s'entendait plus chacun du tour. Donc. Ouais, c'était bizarre. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est revenu. Ça vous savez, une mini pause avec cette partie de très haut niveau des joueurs du top 10 mondial. Donc cavalier F5, Nakamura qui joue bah, pour la fourchette royale. Hein. Voilà, c'est ça. Défend le pion G7, peut-être des cavaliers H6 aussi, donc très logique, cavalier F5. Et là, faut survivre toujours. Donc Ah, il est toujours dans l'optique, pour l'instant, juste il cherche pas le contre-jeu, il veut pas contre-attaquer, il peut pas, donc il survit. Il joue tour E8 qui est le seul coup, il part la fourchette en E7. Et quand on fait un stop sur cette position, on se rend compte que ben, pour l'instant, il a survécu. Pour l'instant, il a un pion de plus. Les noirs ont un pion de plus. Et en y réfléchissant un peu, c'est pas si évident de trouver un gain. Il n'y a pas un truc qui saute aux yeux, il n'y a pas de gain en force, il n'y a pas de. Il n'y a rien qui paraît évident ici pour les blancs. Donc je suis très.
c'est très possible de se tromper ici. Alors, il se trouve que il y a beaucoup de choses qui gagnent. Par exemple, il y a un gain ici qui est très joli, mais qui n'est pas facile. C'est un coup de retour qui est Dame F2. Alors, il y a plusieurs idées dans Dame F2. La première, évidemment, c'est d'attaquer le pion C5. Et en 4 B6, il y avait une idée cachée. En 4 B6, il y a tour prend H7. Waouh, ça c'était caché. Et ça, c'est assez caché, en fait. L'idée, c'est que sur dame prend, Ok. ou sur roi prend, si tu veux d'abord. Ouais, roi prend, c'est le plus facile à réfuter. On peut réfuter roi prend. On fait échec sur la colonne H et il va y avoir mat en H8. Donc, mat en 2. Et s'il fait dame prend, l'idée, c'est que la dame ne défend plus le pion F7. Et du coup, cavalier H6 gagne. C'est pour ça que cavalier H6 au coup d'avant ne gagnait pas. Le roi prenait simplement le pion et F7 était défendu par la dame en G6. Mais ici, il y a dame prend F7, on peut prendre la tour en E8, on gagne. C'est mat, dame F7, dame F8. Ou il y a peut-être un mat plus rapide, je ne sais pas. Bon, c'est déjà très bien. Mais... Ouais. Voilà. Donc, très joli. Dame F2, très joli. Avec les Donc tours dame pour F2 est H7. assez vicieux et si... en fait, il n'y a pas vraiment de solution pour défendre. Il n'y a pas de. Il y a. Ouais, y a... Ouais, ça... c'est un peu embêtant. Probablement pas de défense. S'il C'est n'y a un pas peu comme cavalier B6. D6. Ouais. Cavalier D6 défend un petit peu, mais il y a tour H6 qui pique le cavalier. C'est horrible. Voilà. C'est horrible. Sinon, ça défendait sur tour prend H7 parce qu'il y avait cavalier prend cavalier. Ou ça défendait le pion F7 aussi, donc il y avait plusieurs bonnes idées dans cavalier D6, mais ça marche pas à cause de tour H6. Ok, lui il a ses dames G4. Il a tenté dame G4, il menace tour H6, gagne la dame. Ouais, quand même, hein. Donc il tourne. Pour l'instant, il dit que c'est pas pressé. En fait, il force la dame à repartir. Ok, Donc il la dame vient s'en va. là. Donc maintenant, bah, il a peut-être petite menace aussi. Enfin, il empêche tour H6 Bah, à s'il cause se de passe dame rien, B2. dame B3 est un problème. C'est dame B3 le vrai. Ok. Ouais, Et c'est maintenant, peut-être on la menace. menace de faire des choses quand même. Donc il est revenu. Pas tout à fait sur la position de départ, il est revenu en H3 alors qu'il venait de H4. Donc c'est pas tout à fait une répétition de coup. Obligé de parer le mat. Et ici, il n'a pas été capable de retrouver une des façons de gagner. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais il y en avait pas mal. Mais c'était à chaque fois assez compliqué, assez pas toujours intuitif et ouais, pas évident à trouver en fait ces gains. Et il va jouer un coup assez humain. Finalement, il joue D6. Il tente de rajouter un perturbateur dans la position des noirs. Ouais, les renforts, le pion D6 vient en renfort. C'est ça. Et il se dit, bah, s'il me prend en D6, bah, je reprends. Et en fait, le pion est imprenable. Le cavalier, pardon, est imprenable. Toujours à cause de ce mat en 1. Donc ça gagne une pièce. C'est pas si mal de gagner une pièce. Il y a plein de cas où ça gagne. Le problème, c'est que comme il y avait déjà un pion contre la pièce, ça fait 2. Et après tour D8, mais finalement, c'est le roi blanc qui va se retrouver en difficulté. On n'a pas parlé de lui depuis tout à l'heure. Il est tout seul Mais là-bas. l'ouverture de la colonne D lui pose des problèmes. Et alors, il y avait. C'est encore très dur. Il fallait jouer cavalier C8 pour menacer cavalier E7 échec. Ah, c'est fantastique comme coup, KC8. Et sur roi prend G7, parce que maintenant, finalement, on peut piquer le pion. Cavalier E7 quand même. Et pour revenir vers F5, où il y a plusieurs idées comme ça, roi A2, et en fait, c'est dur de trouver un coup ici pour les noirs. Il faut bouger la dame obligatoirement. Et sur dame E6 pour survivre quand même. Sur Échec, le ouais. coup, dame E6 pour échanger les dames et survivre. Bah, la finale reste difficile. Il y a une pièce de plus quand même, mais pas Pas foutu encore pour perdu, ouais. les noirs. Il y a 3 pions pour l'instant, même si on en repère, c'est pas foutu. Donc Et il n'a lui, il pas trouvé joue qui est ici. cavalier Bon, ça... C4. Il joue Et qui est C4. après, dame prend, qui Et il y a continue à un surveiller. Et troisième qui... pion qui dégringole. Ouais, et le roi, là, pff, il est plus serein. Et une pièce qui se rapproche du roi blanc, évidemment. Donc les joueurs sont sur le point d'atteindre le 40e coup. Maintenant, c'est très équilibré comme position. Le roi noir n'est pas sorti, n'est pas tiré d'affaire. Le roi blanc non plus. Il y a 3 pions pour la pièce. Finalement, c'est un peu équilibré des deux côtés, mais c'est ici que c'est important. C'est Nakamura Ah qui est sous oui. pression psychologiquement maintenant. Parce que de sa position qui était complètement gagnante, il le savait, même s'il n'arrivait pas à trouver de gain immédiat. C'est évident qu'il avait bien compris qu'il était gagnant.
Il se retrouve sous pression et il n'est pas en position psychologique pour s'en sortir dans ces cas-là. C'est hyper désagréable de se retrouver dans ces cas où on était très bien et puis finalement on doit se battre pour peut-être faire nul. Et c'est évidemment lui qui va gaffer en premier. Et joue dame Donc pas H5 une sur le gaffe, 40e coup. loin d'être une gaffe évidente. Bien sûr. Mais le point important, c'est que Magnus, lui, il s'arrête pas à faire nul. Il cherche pas quelque chose qui va juste faire nul. Alors, on voit l'idée de dame H5, c'est d'éviter tour d'un échec, hein. Éviter la tour de rentrée. Il y avait quand même une idée. Mais Magnus, il va pour lui faire mal, même si c'est son 40e coup, il se laisse pas faire. Il joue tour D3, qui est un coup assez méchant, qui va empêcher le cavalier C4 de bouger, en fait, à cause des tours prend A3. Et les blancs n'ont pas moyen d'améliorer leur position, en fait. Il y a pas, c'est ça qui est embêtant, c'est que s'ils font rien, ils se prennent B5, qui va chasser ce cavalier pour prendre A3. Et s'ils font quelque chose, ben quoi? Parce que si les pièces reviennent de la colonne H, alors le cavalier est en prise parce qu'il n'y a plus dame prend H7. Très difficile de trouver quelque chose. Et en fait, maintenant, Magnus est gagnant. Et il va jamais lâcher, en fait. Il va pas juste se contenter d'une nulle en se disant, ça va, j'ai survécu, c'est très bien. Voilà, Mais dans cette position qu'on a réussi à retourner, il faut se battre pour aller empocher le point entier. alors ça c'est quelque chose qu'on voit souvent, Adrien, dans les tournois. Des joueurs qui étaient super mal pendant longtemps, et dès qu'ils ont nul, alors soit c'est leur adversaire qui propose nul, soit c'est eux qui proposent nul, et ils sont tellement contents, mais parce qu'ils étaient tellement mal, ils prennent vite la nulle. Et ça, c'est un état d'esprit qu'il est très facile d'avoir, mais qu'en fait, on se rend compte que la plupart des meilleurs joueurs, tous les champions, ils ont un vrai esprit de tueur, en fait, et eux, ils veulent pas juste se contenter de la nulle. Si l'adversaire est en train de craquer, bah, ils le font craquer complètement, en fait. Ouais, ils vont jusqu'au bout quoi. Ils vont au En bout fait, de la chose, et et ils arrivent là. à se réadapter. On parlait tout à l'heure de que c'était pas facile de s'adapter à des changements de situation. C'est aussi exactement ce qui se passe quand le joueur voit qu'il annule alors que ça fait 2 heures qu'il est en train de perdre. Et c'est plus facile de passer d'un état où on était perdant, on se battait pour la nulle, à un état où c'est peut-être nul, mais on se bat pour gagner, que l'inverse. Parce qu'on est L'état en où train. on se Ouais. battait pour gagner et l'état où on se bat pour faire nul, il est un peu triste. Ouais, Le on est en passage est un train, peu dans triste un cas, on est pour. en train d'améliorer notre résultat, dans l'autre, on est en train de l'inverser, de le détériorer. Donc c'est là, en fait, où on remarque que les joueurs bah, plus expérimentés ou plus simplement qui veulent aussi plus gagner la partie profitent de ce moment, au contraire, non pas pour souffler, mais pour resserrer la vis et essayer de mettre C'est ça. la tête sous l'eau de l'adversaire qui est en train de se prendre un coup sur la tête parce qu'il se dit mince, j'étais complètement gagnant, c'est horrible, maintenant je le suis plus. Et c'est d'ailleurs c'est souvent dans ces cas-là le joueur qui était gagnant propose nul. Il se dit, bon ben, hey, j'ai Ouais. gâché le truc, tant pis, je veux plus voir cette partie, on passe à autre chose. Et c'est justement là qu'il faudrait trouver la force de se dire, je vais pas juste me contenter de t'arnaquer avec nul, je vais l'arnaquer complètement en fait. Là, il faut trouver la force de refuser pour aller chercher un demi-point supplémentaire. Et c'est ce qu'a fait Magnus Carlsen ici. Tour D3, joli coup. Et bon, ouais, la suite, on va pas rentrer Non, on tellement dans va les pas regarder parce que détails. c'est encore compliqué, mais simplement, à bout d'un moment, ça s'échange. J'ai regardé, il a Les pions ont maintenant dégringolé de partout. Il y a 5 pions maintenant 5 pions pour dans le la suite. cavalier. Et Donc il je a crois qu'il peut fini. même pas, il peut même peut-être pas prendre en C5. Il doit y avoir des dames 1 échec, dame F2. Il y a l'air d'y avoir des choses. Il y a encore. Des attaques sur. Ouais. Ouais. Ça a l'air S'il très fait embêtant. On ça. va perdre le cavalier C5 quand même. Ouais, je pense que Dame C2 perd en fait la finale avec 4 pions, il va y avoir H5, H4, H3 et ça va perdre. Ouais. F5 peut-être Qui veut aussi. surtout pas échanger les dames, donc il peut même pas récupérer un pion. Ouais. Non, il y a eu trop de pions et il a gagné cette finale en fait, assez simplement, Et tout il a fini simplement. par gagner. Voilà. Voilà ce qui conclut ce troisième et dernier chapitre. Vous aurez une partie bonus dans la base de données, pardon. C'est une Sur partie le que tu as même thème. joué. C'est une partie que tu as joué, Adrien, où tu étais, on peut le dire, très mal. Bien Alors, un peu foutu, moins ouais. que Magnus, mais quand même. Mais peut-être encore moins sympa à jouer parce que Ouais, t'avais rien à c'est moi faire. qui avais le déficit matériel et qui me battais contre un pion passé très avancé. Donc là, à la limite, Magnus, il avait un pion de plus, si on peut dire. Au moins, il Il avait. Oui. était foutu objectivement, mais au moins il avait un pion de plus. Et puis, à un moment, il avait un petit espoir d'atteindre le roi avec les rocs C'est opposés. ça.
Voilà, donc un autre exemple que vous pourrez étudier pour ceux qui veulent aller plus loin. Bien sûr, vous aurez en téléchargement la base PGN, vous aurez des exercices, quatre exercices sur ce thème, et vous aurez le à retenir. Le à retenir qu'on a commencé à vous montrer. Voici la fin de ce à retenir. Hop, on le complète. Voilà, je pense que vous l'avez. Hop, alors je vous mets un peu plus comme ça. En tout cas, les deux dernières choses qu'on a vues. Alors c'est vrai que du coup, on ne verra pas trop le coup de la pendule, Oui, on n'en avait Adrien, pas parlé. qui arrivait dans la dernière partie bonus. Donc l'idée, c'est une chose qu'on a vue dans la partie de Magnus, c'est de résister le plus possible, de ne pas craquer, de ne pas laisser un gain à l'adversaire. Et si en même temps, vous arrivez à jouer un peu plus vite que votre adversaire pour le mettre plus sous pression à la pendule. C'est là aussi où il peut se rater derrière. Et Ah oui, puis ça vous. rentre clair. La pendule dans les échecs pratiques aujourd'hui rentre clairement en jeu. Donc il faut aussi en Il faut utiliser. jouer plus rapidement quand on est mal, essayer d'attendre le moment où l'adversaire a déjà baissé un peu autant pour lancer une contre-attaque. Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça. On salue Ferdinand qui Salut part. Bonne Ferdinand. soirée. On termine avec le traditionnel question-réponse. Allez. Donc vous pourrez retrouver bien sûr tout ça dans les documents téléchargés. Il est temps pour la fin de cette soirée de poser vos questions à Adrien. Donc Adrien qui va essayer de répondre. C'est pas toujours facile, hein. Je vais tenter, hein, si je comprends la question, ça devrait aller. Déjà essayer de faire des questions claires quand même, parce que pour pas de toute façon on prend que les questions claires, c'est simple. Donc le programme, effectivement, il en est là, c'est la dernière partie, le question-réponse. Et je vais noter quelques. Alors, on n'a pas trop parlé de tes livres, Adrien. C'est peut-être avant le question-réponse, peut-être. Bon, je sens qu'elles vont débarquer rapidement, mais c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu des deux livres. Je les ai juste cités au départ. Donc, un sur la rétine, un sur la hollandaise. Ils sont Oui, en anglais, c'est ça? ils sont en anglais, les deux sont dans la maison d'édition gérée par Romain Edouard. Donc, les gens Thinkers. ont peut-être entendu Oui, parler, oui. c'est Thinkers Publishing. On en a parlé à la fois avec Christian et avec Romain. Ah oui, avec Christian Donc, aussi, c'est il n'y a vrai. pas de problème à le reparler une troisième fois. Donc, ouais, c'est la maison d'édition que Romain gère, ça veut dire qu'il est coéditeur en chef. Il reçoit le travail des auteurs et c'est lui qui le met en page, qui fait plein de choses pour ses livres, pour ses livres. Donc ça me plaisait bien de travailler avec lui parce que je connais Romain depuis longtemps. D'accord. Et ils sont en anglais évidemment tous les deux et ils seront pas traduits en français, même si on m'a déjà Poser la posé la question. question plusieurs fois, mais c'est juste trop de travail de traduire tout un livre Ouais, on. d'anglais à français, même si je suis francophone, c'est bien plus simple d'écrire directement en anglais. Alors, tu me corriges pour les années si je me trompe, c'est Ouais, ça doit être ça. à peu près ça. Je pense que c'est effectivement décembre 2017 et ça doit être août 2019, ouais, il y a un an et demi entre les deux. Ok. Donc, des livres répertoires? Oui, c'est des livres répertoires, donc qui traitent pour la rétie de tout ce qui se passe après Cavalier F3 au premier coup. Tout ce que vous pourrez rencontrer avec, c'est évidemment biaisé, hein, je choisis les lignes. Oui, Je ne peux pas tu ne traiter montres toute la pas rétie tout, non ouais. plus. Donc c'est vraiment un répertoire, je choisis les lignes pour vous. Et la hollandaise, ça traite tout de 1D4 à 1C4 et 1 Cavalier F3, tout ce qui fait un joueur complet de Ah, hollandaise. il y a même. En fait, c'est plutôt pour jouer Ouais, F5. c'est pas que D4, ouais. Il y a aussi... Ok. Il n'y a pas E4, évidemment, mais c'est C'est le seul coup où on un n'a pas peu envie de jouer osé, là, F5. ouais. Mais tous les autres coups, en fait, F5. Ok, Marco Minecraft, si tu peux mettre une seule fois ta question, merci, sinon je vais devoir t'enlever du chat pour que tout le monde puisse poser ses Alors, comment questions. je fais pour m'entraîner? En fait, déjà, je m'entraîne beaucoup moins qu'avant. Je suis plus entraîneur moi-même que joueur désormais. Donc, j'ai des élèves, donc ce qui fait que ça me laisse moins de temps, comme tous les entraîneurs. Hein, je pense que tu sais ce que Ouais, c'est, Sylvain. c'est terrible. Quand on entraîne déjà plusieurs joueurs à la semaine, on a forcément moins d'énergie pour ensuite travailler pour soi. Alors, quand je travaillais, moi, c'était évidemment plus axé sur les ouvertures pour se faire un répertoire d'ouvertures propres. Et j'ai beaucoup travaillé les finales aussi avec certains livres qui étaient bien. Donc, j'ai essayé, en fait, j'ai envie de dire que
Les ouvertures, il faudra en faire le moins possible. Ça, pour moi, ça devrait plutôt arriver quand on arrive à un niveau plus de 2000, qu'on commence à travailler les ouvertures sérieusement. Ouais. Avant ça, en fait, la partie se joue trop peu souvent dessus. Il faut être hyper alerte tactiquement, il faut comprendre les idées stratégiques, il faut savoir jouer les finales. Mais je mettrais les ouvertures en dernier dans les choses à travailler, en tout cas, si je pouvais donner un conseil. Bien qu'il faut avoir au moins un minimum de connaissances, mais souvent les joueurs y accordent trop d'importance, je Ouais. trouve. Tout à fait d'accord. Checkmate qui dit: je m'attendais à ce que tu montres une partie contre Sammy Shocker de l'Open International de Nouvelle-Calédonie. Ben ouais, mais c'était sympa, effectivement, ces parties. Alors, j'en ai commenté pour Pechek, des parties contre Samy. Mais Ok. là, il ne rentrait pas vraiment dans le thème. En fait, c'était des parties compliquées à chaque fois. On s'est tapé dessus des deux côtés. Il n'y en a pas un vraiment qui était mal et qui s'en est sorti. Donc, on s'est joué plusieurs fois, en fait. On s'est joué en blitz, en exhibition, en LAN. Donc, on n'a pas arrêté de se jouer avec Samy. C'était pour ça qu'il y avait plusieurs parties. Ok, question de Saleron. Quelle est la partie dont tu es le plus fier? Bah, je suis quand même obligé de répondre ma victoire, mon gain contre Vichy Anand il y a quelques années, en 2016, en LAN à Gibraltar avec les Noirs. C'est toujours la victoire dont on me parle le plus. Alors, Alors, je sais oui, pas. bah, au niveau du résultat, bon, on peut pas faire mieux, hein, Forcément, ouais. battre un champion du monde, c'est La fantastique. partie était sympa en plus, mais. La partie est assez animée. La partie était très animée, ouais, mais bon, voilà, moi c'est Est-ce clairement la que... partie encore. Hein. Ok, alors est-ce qu'il y en a une deuxième qui te vient en tête, puisqu'on peut, effectivement, on te la cite souvent, mais peut-être que toi, il y en a une autre que te... L'année où j'ai fait un très bon Open d'Andorre, j'avais joué un joueur que je trouve assez extraordinaire qui s'appelle Julio Granda Zuniga. Ah oui. Et que j'ai joué plusieurs fois parce que j'ai fait beaucoup de tournois en Espagne, il était souvent là. Et ça m'est arrivé de faire nul contre lui, ça m'est arrivé d'en perdre. Et il y a une fois où j'ai réussi à le battre, et sur une très belle partie aussi. Et j'ai failli gagner le tournoi d'Andorre d'ailleurs cette année. Et c'était vraiment aussi une partie très jolie et très. Ouais, une partie que j'aime beaucoup, la partie contre Granda Zuniga. Ok, super. Donc si vous J'étais voulez plus aller l'année. chercher cette partie... Oh, tu l'as pas joué souvent, je pense. Ah, j'ai dû le jouer 4 fois, je Ah, pense. quand même, ah ouais. Ouais, je crois qu'on a. Il doit avoir 2 victoires, une nulle, une défaite, un truc comme ça. Ok, on te demande si t'as joué contre Magnus Carlsen. Et non. Et non. Et c'est pas facile, hein. Il faut Ouais, trouver pour des l'affronter. occasions, des tournois où les jouer, hein, ces joueurs-là. Ouais. Déjà, Vichy Anand, je l'ai joué sur un hasard total, hein. C'était une ronde 4, et on était énormément de joueurs au même nombre de points. J'aurais pu jouer à un joueur beaucoup moins prestigieux, mais. Ah, c'était une super expérience. Alors, comment j'entraîne mes élèves sur les finales? Je me sers beaucoup du livre de Dvoretsky, hein, qui est extraordinaire, le manuel des finales. Ouais. J'essaie de sélectionner, il faut pas toutes les faire parce qu'il y en a des trop compliquées. Mais j'essaie de sélectionner beaucoup les finales de tour parce que c'est celles qui reviennent le plus souvent. Et puis leur inculquer les principes principaux des finales, dans un peu tous les types de finales, quoi. Mais ouais, pour travailler les finales, il reste quand même pour moi pas mieux que ce livre de Dvoretsky. J'aime beaucoup Dvoretsky de toute façon en tant qu'entraîneur. Ouais, bah tu l'as cité tout à l'heure, tu citais, alors bah, puisqu'on met les livres, le positional play, hein, c'est ça que tu citais, Ouais, c'est si ça. Ouais. tu citais. Il en a fait plusieurs de milieu de jeu, et celui-là est un peu incomplet. Il a fait des séries de livres. Ça, c'est juste un livre à part entière qu'il a fait. Ok. Pas être si facile à trouver dans le commerce. Alors on te demande combien d'heures tu t'entraînes par jour? En moyenne, pas loin de zéro, hein. Non, C'est... mais en fait, je travaille pour mes élèves. Je travaille en tournoi, mais pour moi, dans la semaine, je travaille très peu. Enfin, je l'ai fait à une époque, mais j'ai passé ça. J'ai plus le temps ni l'énergie de le faire, en fait. On peut pas travailler toute sa vie les échecs sur son ordinateur, quand même. Ouais, alors Je travaille en tournoi. C'est souvent en tournoi, je fais une grosse pendant partie des les tournois. tournois. Je me prépare pas Et mal, mais. alors on nous demande si positional play est en français. Je ne crois pas. Non, ça n'a Positional pas l'air, play, hein, vu le non. titre. Non. Peut-être il se trouve en français, je ne sais pas, mais Je je suis l'ai lu en pas anglais. sûr qu'elle ait été traduite.
Bonne question Je de sais pas. Noshad. Les livres sont-ils indispensables ou peut-on se contenter de vidéos? Bah aujourd'hui, il y a des choses très bien qui sont faites, hein. Les masterclass de la Fédé, il y a tout ce qui est fait en français, tout ce qui est fait sur Chess 24 en ce moment. Il y a des tonnes de séries vidéo sur des ouvertures, sur des finales, sur des milieux de jeu. Il y a une quantité impressionnante d'informations en fait qu'on trouve en ligne et en vidéo. Entre Il y a chess24, Blitzstream aussi, chess.com, évidemment, ouais. Europe Échecs. Donc il y a vraiment moyen de, j'ai envie de dire, de s'en passer. Mais quand même, il y a tellement de bonnes choses qui ont été faites en livre que bon, ça dépend des goûts de chacun en fait. C'est Les plus plus jeunes, ils comme. aiment pas trop lire, mais Ouais, plus comment vous aimez les travailler, plus, c'est vrai, mais c'est essayez, ça. Ouais. au moins essayez, au moins essayez des livres, parce que c'est Les vrai que. plus âgés, on va dire, ils ont peut-être moins le réflexe d'aller regarder des vidéos. Ouais. Donc chacun son truc, j'ai envie de dire, mais tout peut être bien. Aujourd'hui, Faut. il y a vraiment tellement d'informations partout que. Ouais, et puis n'oubliez pas quand même qu'un livre, c'est quelque chose qui a été travaillé pendant parfois plusieurs mois. Donc Oui, en général, je c'est pas pense. le cas d'une vidéo, quoi. Voilà. Plus abouti qu'une vidéo, ouais, Ouais. clairement. Moins accessible, mais plus abouti. Après, ça se complète bien sans doute. Les deux supports se Ouais. complètent bien. On sait qu'aux échecs, ce qui est bien, c'est d'essayer de voir un peu tout et des choses différentes, quoi. Donc c'est dommage de faire un seul support, comme c'est dommage de faire un seul secteur du jeu. Ouais. Alors, Checkmate qui nous dit, je vais prendre mon petit déjeuner, j'habite en Nouvelle-Calédonie de l'autre côté de la planète. Pour moi, Il y il en est a beaucoup des. 7h45. Oui. Il y en a beaucoup des gens de Nouvelle-Calédonie. Hein. On n'arrête pas. Très beau tournoi, hein, le tournoi qu'il y a eu à Nouméa en octobre. Vraiment, D'accord. ils ont organisé quelque chose de très sympa. Tu le recommandes. Ouais, il est malheureusement pas encore régulier. C'était un. Il n'arrive pas chaque année, c'est ça le problème. Et il se refera, je pense, si j'ai bien compris. Ok. Quel est ton joueur préféré? Ah oui, ça dépend s'il est contemporain ou si on peut citer les joueurs morts. Moi, Ben j'ai non. appris avec les livres, avec le livre de Fischer, mes 60 meilleures parties. Ouais. Très Et donc, connu. je suis assez fan de Fischer. En fait, je suis fan de tous les meilleurs. C'est-à-dire, je suis fan de Fischer, Kasparov et Carlsen. Alors, surtout pour ce qui est du jeu, hein, pour leur vie C'est extra-échiquaine, pas toujours, ouais. c'est plus discutable. Hein. C'est des Ouais. joueurs plus discutables à ce niveau-là, mais bon. Voilà, donc déjà, on te posait la question, les 5 meilleurs joueurs de tous les temps selon toi. Bon, bah, t'en as cité 3. Là, déjà, Ouais, et le ces trois-là, et podium, après, déjà. je sais pas, Botvinnik, Capablanca, c'est des classiques, hein, mais. Ouais, c'est ceux qui ont le plus dominé leurs époques, en fait. Voilà, donc par exemple, Monsieur Filoche, qui disait tout à l'heure que tu étais très pédagogue, dit qu'il est collectionneur de livres, mais que tout ce qui se fait en vidéo est génial. Et il fait une dédicace au système de Londres. C'est gentil, Il filoche. Ouais, j'ai fait une série vidéo pour Chess 24 sur le système de Londres. D'accord, oui, on a parlé de tes livres, on n'a pas parlé de tes vidéos, de Ouais, tes c'est la seule que DVD. j'ai faite pour l'instant. Il y en Ok. aura peut-être d'autres à venir avec Chess 24, Ok. mais j'en ai fait effectivement une sur le système de Londres. Ça marche. Et Tristan qui demande ce que tu penses du jeune espoir mondial Alireza Firouja. Que dire? Que dire? A priori, il sera pas mauvais, hein, mais il est déjà pas mauvais. Mais après, dire exactement où est-ce qu'il va s'arrêter, en fait, on ne sait pas. Je suis pas sûr à 100% qu'il sera champion du monde, si c'est la question. Je vois une époque, Wei Yi, le Chinois, qui vers 17 ans avait déjà aussi 27-30. Bon, au final, aujourd'hui, il en est toujours là et on ne sait pas. La progression, c'est tellement dur à dire que. Il y a des Roja, il a l'air paliers. d'avoir quelque chose, mais est-ce que ça va être assez pour être champion du monde? Je sais pas. Pour l'instant, c'est un peu dur de savoir. Il faudra voir comment il évolue. C'est vrai Ouais. qu'il est très très impressionnant. Alors, il faut aussi faire la différence entre le jeu rapide et le jeu lent, hein. Oui, bien sûr. Voilà, il avait fait quand même un bon tournoi au mois de janvier à Vishkanze. Mais bon, c'est vrai qu'en Blitz, Ouais. il est hyper impressionnant puisqu'il semble déjà être proche du niveau de Magnus Carlsen. Donc, Ouais, non, c'est bien sûr incroyable, mais. c'est hallucinant. Voilà, est-ce que après il y a la psychologie qui rentre en compte? Y a plein Il y a le fait d'éléments, qu'on a ouais. tous À une la limite pression, intrinsèque peut-être. ouais, aussi, Donc ouais. est-ce que ça la limite, est-ce qu'elle va être à 28, est-ce qu'elle va être à 28-50?
Ouais, faudra Trop voir. dur à dire en fait. Faudra voir. C'est C'est vrai que tellement. pour l'un, on peut penser, même si c'est la comparaison avec Wavy avait été vraiment souvent faite, et je pense à raison pour montrer que ça, on peut être une étoile qui s'arrête au bout d'un moment, qui bloque, pour certaines raisons. On peut penser qu'il ira plus loin, mais pour l'instant, on peut pas, on est sûr. Oui, c'est ça. Hein. Oui, il peut aller plus loin, il peut aussi bloquer 30 points plus loin, on ne sait pas. En fait, Ouais. c'est tellement dur à dire la progression des joueurs que Puis même il y a Maxime, on trop de avait choses Maxime bizarres. Bachelagrave à un moment était rentré dans le top 10, puis il était redescendu d'un coup avant de Ouais. remonter après quoi. Donc Ah, c'est trop. Je peux pas te ouais. donner de certitude là-dessus, en fait. C'est trop Ah mais dur. on est déçu là, Adrien quoi. Ouais, je suis désolé, hein, On mais. espérait que tu nous donnes la date du prochain match Ouais, si vous voulez mettre vos Carlsen-Firouja paris, et le comptez score pas sur quoi. moi, je vous donnerai pas de. Non, faut pas compter sur moi. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être, pour Adrien? Voilà. La soirée se termine. Ouais, Lundi, on alors on m'a retrouve. demandé si je viendrai au Championnat de France à Agen. S'il a lieu, oui. Théoriquement, je suis qualifié pour le national cette année. Ok. S'il a lieu, je serai à. Ah non, mais le C'est championnat de Chartres? France à Agen, c'est jeune ça. Ouais. Je serai peut-être aussi à Agen si je dois entraîner des jeunes. Il y a des bonnes chances. Donc peut-être l'enchaînement Agen et Chartres, si bien sûr, Il y a que quelques jours entre les deux, mais bon. s'il se joue bien sûr. Ouais. Ok, non, Alors pour non, je l'instant. sais pas, je suis comme tout le monde, hein, je sais pas quand le tournoi des candidats va reprendre, j'ai pas d'infos. Ça a Je pas suis été... Les désolé. dates n'ont pas été données. Je suis désolé, j'ai pas les Ok, infos là. on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Adrien, merci beaucoup pour toute ta préparation pour la Merci à soirée. toi, c'était sympa. Et merci à tous dans le chat qui ont animé tout ça, c'était bien. Voilà, bien sûr, les événements de la FFE, vous les avez peut-être vus au début. Demain, la simultanée du Grand Maître Éloi-Rollange. Et puis les tournois de dimanche, surtout. Voilà, 14h, 16h, le tournoi féminin. Merci à tous. Rendez-vous lundi avec le maître international Xavier Bédouin. Et puis, Ah. bien sûr, vendredi prochain, tu connais Xavier Ah, c'est un Bédouin. ami à moi, on a joué à Mini-Exence quelques années. On est de la même région, on est du Poitou. Ça marche. Merci. Il passera le bonjour. Ça marche. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Rendez-vous lundi à 20h30 pour la masterclass de niveau débutant intermédiaire. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci.